Seth dabei ein besonderes Anliegen. Dort, wo die Wälder bereits verloren gegangen sind und... Eine Welt ohne Wald ist undenkbar. Wälder sind die Lungen der Erde und regulieren das Weltklima. Sie gehören zu den wichtigsten Ökosystemen unseres Planeten und sind Horte bedeutender biologischer Vielfalt. Schätzungen zufolge ist ca. ein Drittel der Menschheit zur Überlebenssicherung. On estime que près d'un tiers de l'humanité est tributaire des forêts et de ses matières premières pour pouvoir survivre. Néanmoins, les forêts sont plus en danger que jamais. Rien que les trois dernières décennies ont vu disparaître 420 millions d'hectares de forêts de par le monde, soit la surface de l'Union européenne. Les disparitions des forêts tropicales riches en espèces sont particulièrement dramatiques en Afrique, Asie et Amérique latine. Les répercussions sont clairement visibles dès aujourd'hui. Les tempêtes, inondations et sécheresses sont en augmentation de par le monde. Les écosystèmes sont perturbés, les animaux sauvages sont privés d'habitat, entrent en contact avec les humains et peuvent transmettre des virus. Pour alimenter la population mondiale croissante, les rendements agricoles doivent être accrus grandement dans les années à venir. Il en découlera une poursuite de la pression exercée sur les forêts. L'agriculture contribue largement à la déforestation. À la place de forêts tropicales, on trouve aujourd'hui des matières premières agricoles telles que le soja et l'huile de palme, notamment pour la consommation en Asie, mais aussi ici chez nous en Europe. Nous devons par conséquent agir. Le gouvernement fédéral allemand s'est engagé à mettre un terme avec la communauté internationale à la disparition des forêts et à réhabiliter d'ici 2030 près de 350 millions d'hectares de forêts. Le BMZ mise surtout sur des approches qui harmonisent la protection de la forêt et son utilisation durable. Il tient particulièrement à cœur au BMZ de renforcer les droits des femmes, des groupes autochtones et des communautés locales. Où les forêts ont déjà disparu, le BMZ aide ses pays partenaires à réhabiliter durablement les forêts et les paysages riches en arbres. En outre, l'Allemagne aide ses pays partenaires et les entreprises à mettre en place des chaînes d'approvisionnement, exemple de déforestation, et s'investit en faveur de la mise en place d'une législation européenne ambitieuse sur les chaînes d'approvisionnement, exemple de déforestation, et les droits de diligence des entreprises pour la protection de l'environnement et les droits de l'homme. Il y a encore beaucoup à faire. Nous devons améliorer la gouvernance forestière et surtout allouer aux forêts tropicales, enfin, la part des fonds climatiques correspondant à leur potentiel. Nous avons besoin d'un « fair deal ». Chers invités, bienvenue, bien sûr, bienvenue également aux spectateurs sur Internet, au symposium sur les forêts tropicales, ici à Berlin. Chers ministres de différents pays d'Afrique centrale, chers invités, nous sommes donc dans un événement hybride ici à Berlin et sur Internet. Vous voyez déjà derrière moi sur la carte. Et également dans ce film, nous parlons donc d'une zone climatique qui est très particulière et des écosystèmes particuliers qui sont donc le poumon vert de notre planète bleue. Nous allons en parler. Un monde sans eux est inimaginable. Il s'agit donc des écosystèmes les plus importants de notre planète. Le ministre fédéral allemand a dit hier, M. Müller, la forêt est la vie, la forêt tropicale est la vie. C'était le sujet de notre journée consacrée aux forêts des bassins du Congo hier. Voici les questions dont nous allons parler aujourd'hui. Comment, tous ensemble, pouvons-nous coopérer pour essayer de réduire et de faire reculer la disparition des forêts.
quel pourrait être un fair deal entre les pays forestiers tropicaux et le reste de la communauté internationale pour que des efforts communs puissent être mis en œuvre. Quelle est la responsabilité de la communauté internationale pour pouvoir aider donc les pays forestiers tropicaux dans ces défis, dans la préservation des forêts, et quelles sont les approches qui existent en la matière? Donc nous tous, la société civile, le secteur privé, les gouvernements, etc., nous pouvons tous travailler ensemble pour pouvoir continuer donc à respirer. Et bien sûr, nous devons également parler du commerce, des chaînes d'approvisionnement. Comment est-ce que les pays consommateurs peuvent également mettre un terme à des importations qui peuvent être nuisibles. Hier, il y a eu une déclaration qui a été signée. Nous voulons donc travailler avec tous les acteurs présents dans le domaine. Mesdames et messieurs, chers spectateurs, je vous salue aujourd'hui. Bienvenue. Je suis Cathy Gallus, l'animatrice aujourd'hui. Et étant donné que je suis géographe de formation, je suis particulièrement heureuse d'avoir ce thème et de pouvoir aujourd'hui, voilà, de voir des visages sur place. Donc, tout est conforme aux règles sanitaires, car nous avons tous été testés. Donc, ceci correspond au plan sanitaire du gouvernement fédéral allemand. Et ceux qui sont les spectateurs sur Internet, vous avez la possibilité de poser des questions. Nous pourrons répondre à ces questions et je serai heureux de les lire. Et surtout, si vous pouvez écrire votre nom et également votre institution. Donc, voilà pour l'introduction. Maintenant, je voudrais demander au directeur du ministère fédéral allemand du développement, M. Krack, de prendre place pour le discours d'ouverture. M. Krack. Bonjour, Excellences, Mesdames et Messieurs. Bienvenue ici à notre symposium sur les forêts tropicales au nom du ministère du développement et je pense que ce symposium arrive dans un moment très opportun avant les grandes conférences COP. Et nous savons que les forêts tropicales ont un rôle à jouer dans les questions climatiques. Une étude du magazine Nature dit les forêts tropicales séquestrent plus de CO2 que ce qu'on pensait pour l'instant. Elles représentent 10% de la surface mondiale, mais elles peuvent vraiment séquestrer de 40 à 50% du CO2. Mais nous connaissons également une mauvaise nouvelle, c'est que la disparition de 10 millions d'hectares de forêts chaque année. 1, 2, 3, 4. Et aujourd'hui, des chercheurs français se sont rendus compte que l'Amazone, donc c'est l'un des poumons de cette planète, produit plus d'émissions de CO2 que ce qu'elle peut séquestrer. Donc nous devons vraiment nous poser la question de savoir si cela va rester comme cela ou si on peut inverser cette tendance. J'ai commencé donc avec vraiment ces faits scientifiques, car nous allons donc nous pencher sur l'interaction entre les faits scientifiques et le niveau politique. Donc nous devons être guidés par de tels faits pour que la politique soit améliorée. Mettre un terme à la disparition des forêts signifie que nous avons besoin d'un fair deal entre les pays forestiers tropicaux et le reste de la communauté internationale. Les pays limitrophes ne doivent pas porter la responsabilité tout seuls, car 80% de la déforestation est due à l'agriculteur. Donc,
par exemple, le soja, l'huile de palme, pour les exportations. Donc, l'objectif d'un tel fair deal est de préserver les services systémiques des forêts tropicales et soutenir ceux qui utilisent durablement et protègent les forêts. Donc, il s'agit vraiment d'une vision qui devrait être celle des gouvernements, de l'Union européenne, des organisations internationales, des experts de protection de la nature, la société civile, le secteur privé. Et donc, nous voulons émettre un signe important avec cet événement pour les COP qui vont avoir lieu. Nous voulons donc plus d'engagement également de la part de l'Allemagne. Monsieur le ministre le dira tout à l'heure. Donc, nous devons donc créer des incitations pour protéger les forêts. C'est l'idée du Fair Deal. Donc, la déforestation ne doit pas être un avantage compétitif. Nous voulons donc créer un rame pour permettre aux pays qui donc protègent les forêts de bénéficier de rémunération. Et nous voulons évidemment que ces paiements puissent venir bénéficier aux populations locales, aux groupes autochtones, par exemple avec les écoles, les centres de santé. Ainsi, nous allons donc lier la protection des forêts à la lutte contre la pauvreté. Hier a eu lieu la journée des forêts du bassin du Congo. Et vous avez présenté votre contribution à un tel deal. Donc, il s'agit d'un engagement très fort de la part de vos pays qui ont présenté la déclaration. Donc, la région tropicale du Congo est la seule région tropicale qui peut absorber donc, de manière nette le CO2. Quels sont donc les points qui sont requis dans ce Fair Deal? Premièrement, donc dans les pays forestiers tropicaux d'abord, il faut une meilleure gouvernance, la mise en œuvre de la protection des forêts et de l'environnement. Et deuxièmement, une meilleure régulation dans les pays consommateurs. Donc, ceci également en Allemagne. Donc, il faut donc des règles claires pour des chaînes d'approvisionnement qui soient exemptes de déforestation. Dans l'Union européenne, il faut supprimer les subventions qui sont nuisibles à la forêt. Nous devrions financer seulement des investissements qui ne portent pas de risque pour la déforestation. Et je salue que nous coopérions à l'avenir plus fortement avec la Chine. Et troisièmement, les forêts tropicales ont besoin d'un financement adapté et fiable, car seuls 3% des fonds affectés au climat dans le monde entier sont alloués à la protection des forêts tropicales. Donc, nous devons procéder à des ajustements. Je pense qu'il sera donc un signe important de cet événement. Et enfin, cette protection des forêts tropicales vient bénéficier à notre santé. Près de 700 000 virus ont le potentiel d'être transmis des animaux sauvages à l'homme et un grand nombre vivent dans des forêts. Donc, nous avons besoin donc d'une approche One Health. Il y existe maintenant une alliance contre les risques sanitaires dans le commerce des animaux sauvages qui a été fondée à Marseille lors du congrès de l'UICN. Et enfin, on entend souvent lors des conférences internationales, il faut sauver notre planète. Je ne pense pas que nous devions vraiment sauver notre planète, car elle a déjà montré qu'elle était capable de faire attention à elle-même. Je pense que notre objectif doit être plus petit et plus personnel. Nous devons seulement sauver l'humanité et pour y parvenir, nous devons sauver donc les forêts tropicales et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons apporter notre contribution à cela. Merci. Merci beaucoup à Michael Krak du ministère du Développement économique. Si vous souhaitez nous suivre en différentes langues,
C'est possible via le live stream, c'est possible en allemand, en français et en anglais. Donc le canal 1 pour l'allemand, le canal 2 pour l'anglais, le canal 3 pour le français. Et donc ici dans la salle, si vous êtes assis, vous avez le droit d'enlever vos masques, si vous le souhaitez. Poursuivons avec notre programme. Nous sommes en présence d'un expert en matière de télédétection qui s'occupe de la cartographie des grandes couvertures terrestres et des changements d'utilisation des terres. Il veut donc améliorer les algorithmes et les données pour cartographier les changements dans la couverture forestière terrestre. Les ressources naturelles peuvent donc mieux être surveillées grâce à ces meilleures informations. Et la même chose est vraie aussi pour un suivi de la déforestation. C'est plus qu'un analyste des données, c'est un scientifique et expert en matière de télédétection qui s'est spécialisé en cartographie et qui développe donc des nouveaux algorithmes. Monsieur le professeur Hansen, soyez le bienvenu. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Effectivement, je vous ai apporté des images. Merci beaucoup de m'avoir invité. Nous travaillons sur la base des données satellitaires, sur la base des technologies qui font des images de la planète. Nous recueillons des informations pour analyser le dynamisme de la couverture terrestre dans différentes régions. Et aujourd'hui, je vais vous indiquer les tendances que nous avons identifiées. Je vais vous donner un aperçu de la situation. Tout d'abord, je vous montrerai une animation. Vous voyez l'évolution cumulée des pertes des forêts. Donc, c'est l'évolution mondiale. Nous avons des données détaillées sur la Suède, sur la Finlande, sur le sud-est de l'Amérique. Vous voyez les incendies qu'il y a eu également en Allemagne. Cela s'explique par la disparition des forêts, qu'il y a un nombre de plus en plus important d'incendies. Puis il y a les forêts tropicales qui ont une fonction essentielle pour absorber du CO2. Donc ce sont des puits de carbone et c'est justement le sujet de ma présentation d'aujourd'hui. Ce qui nous intéresse en particulier, c'est la politique climatique des forêts tropicales. Dans les forêts tropicales, c'est le cœur de nos activités de recherche. Les particularités de ces forêts ont déjà été expliquées. Les caractéristiques particulières qui ont une fonction de régulation pour le climat, qui protègent et hébergent la biodiversité. Et donc, ces forêts humides tropicales jouent un rôle essentiel. Donc, c'est très important de ne pas déforester. Beaucoup de populations autochtones vivent dans ces forêts. Bien sûr, ces forêts sont une cible car c'est un potentiel pour l'expansion des surfaces agricoles. Donc, il y a le problème de la fragmentation, de l'agriculture sur brûlis, la coupe du bois, justement, parce qu'on veut exploiter ces surfaces pour des fins agricoles. Le collègue a parlé tout à l'heure d'un point de basculement qui a éventuellement été atteint. Moi, je ne vais pas parler des forêts tropicales sèches, mais je vais parler des forêts humides. J'ai indiqué
quelles ont été les perturbations qu'on a pu observer au cours des 20 dernières années. La surface s'est beaucoup réduite. Le chiffre est passé de 2,5 milliards d'hectares à 4,1 milliards d'hectares, mégahectares. Donc, 6,4% ont été perdus par rapport à la situation en 2000. C'est vraiment une évolution dramatique. Maintenant, je parle des trois régions principales qui ont des forêts tropicales. Vous voyez donc les pertes en termes de forêts humides. Je ne parle pas des forêts aménagées, mais des forêts primaires qui ont une valeur essentielle en matière de préservation. Il y a des différences qui sont à constater. Je vais donc vous montrer les dynamismes. Et puis après, je vais parler du taux de la déforestation. Quels sont les avantages, les richesses de ces forêts? Le Brésil, c'est un pays important en la matière, avec le Venezuela, la Colombie, le Pérou, la Bolivie, qui représentent 50% de la forêt tropicale. Et il y a des pays qui accusent des pertes importantes en termes absolus. C'est vrai pour le bassin en Amazonie. Et puis, il y a des pays qui accusent des pertes importantes en termes de pourcentage. Le Paraguay, l'Amérique centrale. Donc, il y a deux sortes de paysages différents. Les pays du cœur dans le bassin du Congo et le bassin de l'Amazonie, où il y a une expansion intacte des forêts, et d'autres pays où les forêts sont plutôt fragmentées. Et la pression est encore plus élevée lorsqu'il y a une fragmentation. Donc, c'est là où les pertes de forêts sont les plus importantes. Alors là, il faut faire quelque chose, il faut restaurer les forêts. Puis, il y a un autre groupe de pays. Ce sont donc des pays qui ont des forêts importantes qui n'ont pas encore été touchées. Ce sont les pays que vous voyez en bas à gauche. Quels sont les facteurs qui expliquent la dégradation, la perte des forêts? C'est l'élevage de bétail, puis la culture végétale du soja, de la canne à sucre. Nous mangeons de plus en plus de viande, c'est aussi une explication. Et les effets de l'exploitation minière. Regardons maintenant les effets, l'interaction cause à effet en Amérique du Sud. Nous avons estimé que, somme toute, 55 millions d'hectares de forêts sont perturbés. C'est vrai donc pour l'élevage du bétail, et puis cette surface est également utilisée pour la culture du soja. Le soja représente 5% de l'utilisation des terres lorsque les terres agricoles s'agrandissent au détriment de la forêt. Ici, vous voyez donc la culture du soja a doublé. Le soja donc remplace les surfaces de pâturage anciennes. Ici, vous voyez les incendies. Monsieur Macron, il a dit de ne plus vouloir importer du soja, mais ce n'est pas le soja qui pose problème. Regardons plutôt les incendies et les causes des pertes de forêt. Somme toute, on peut dire que la situation est différente en Afrique. Ici, vous voyez la République démocratique du Congo, qui est exceptionnelle. Donc,
vous voyez la forêt, puis les frontières de ce pays. C'est remarquable. Donc, il y a trois grands pays qui sont concernés. C'est le Gabon, la République démocratique du Congo et la République du Congo. Et puis, le Madagascar accuse également des pertes importantes. Donc, le Madagascar fait partie de la catégorie qui accuse des pertes importantes, comme le Paraguay. Donc, ici, vous voyez encore une fois les données en détail. Également pour la République du Congo et pour le Gabon. Donc, beaucoup de forêts et peu de pertes, comme en Guyane, en Amérique latine. C'est une situation exceptionnelle. L'huile de palme, le cacao, ce sont des produits qui sont également cultivés en Afrique. La coupe du bois est moins importante, mais quand même un facteur qui perturbe les forêts. Nous avons l'agriculture à petite échelle. Nous avons également fait des études en Afrique centrale qui montrent que là aussi, il y a des perturbations de la forêt qui sont à l'origine d'une perte des forêts. Environ 90% des petits agriculteurs travaillent en forêt. Ce sont donc plus de 100 millions de personnes et jusqu'en 2100, on aura 300 millions de personnes qui travailleront en forêt, qui ont besoin de moyens de subsistance, qui doivent se nourrir. Et c'est donc un élément qu'il faut également avoir à l'esprit. Puis, je viens à l'Asie du Sud-Est. La situation est comparable, les tendances sont comparables. Prenez l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a donc des pertes importantes. L'Indonésie, la Malaisie, le Cambodge accusent également des pertes importantes de leur stock de forêt. Et d'autres pays ont des taux qui se ralentissent, car il n'y a plus tellement de forêt. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce ralentissement des taux s'explique par le nombre très faible des forêts qui existent toujours. Vous voyez donc, la Thaïlande est très avancée en matière de transition vers l'utilisation agricole. Le Brésil. La même tendance, l'huile de palme, qui en partie est directement responsable de la perte de forêt. Parfois, c'est avec du retard que le phénomène se dessine. En Indonésie, il y a 6 millions d'hectares de terres qui ne sont pas utilisées. Bien sûr, on peut dire que l'huile de palme est bien, car la culture de l'huile de palme se fait sur les terres dégradées, mais cela amène à une intensification de la culture agricole. Donc, c'est toujours un phénomène qui a deux côtés. Puis, j'en viens aux incendies. Ici, c'est l'Indonésie. Cela s'explique aussi par les tourbières qui sont également importantes en matière de protection du climat. Puis, un dernier élément que je voudrais évoquer, c'est le problème de fragmentation qui concerne de nombreuses zones. Nous utilisons différentes méthodes pour identifier la situation. Donc, nous croyons que c'est vraiment des données fiables. Nous avons fait des analyses spatiales en Afrique de l'Ouest, en Amérique du Sud, etc. Et nous constatons que de plus en plus d'aires de protection sont fragmentées. Les forêts sont de plus en plus fragmentées et les parcelles sont de plus en plus petites. Donc, un risque plus élevé de destruction, c'est une tendance que l'on constate en Amérique du Sud, en Afrique de l'Ouest et sur la terre ferme en Asie du Sud-Est. Bien sûr, en fait, presque tout ce qui est possible, il y a les efforts de la communauté internationale, il n'en reste pas moins.
Les forêts tropicales sont fortement menacées, les pertes de forêts sont importantes, de plus en plus de forêts sont converties en surface agricole. Alors, il faut améliorer les actions politiques, il faut avoir une approche holistique. C'est très important, ne pas regarder seulement les produits individuels, mais tous les facteurs qui interviennent, les facteurs aussi qui peuvent être utiles. Moi, je vis aux États-Unis dans une zone où il y avait une couverture forestière de 90 %. Puis il y a les colons qui sont venus. Mais moi, j'ai grandi au milieu des champs. Ce qui est important, c'est de saisir les opportunités qui s'offrent toujours à nous. J'aime bien cette idée du fair deal, l'idée de la récompense pour les mesures qui sont effectuées pour préserver les forêts. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous avons eu donc des données scientifiques. Et donc maintenant, nous devons discuter un peu plus dans la pratique. Je viens à inviter donc à venir sur la scène donc différents personnes représentant des ministères fédéraux allemands et il y a également des députés allemands. Lorsque nous parlons donc de la forêt, alors nous parlons également des efforts du gouvernement fédéral allemand dans la protection des forêts tropicales. L'Allemagne cause la plus grande déforestation dans l'Union européenne avec près de 44 000 hectares par an, qui ensuite suivi d'Italie, de l'Espagne, des Pays-Bas et de la France. Madame Müller, directrice de la forêt, de la durabilité et matières premières renouvelables du ministère fédéral allemand de l'alimentation et de l'agriculture. Ensuite, Monsieur Josef Thumbrick, directeur pour la biodiversité au ministère fédéral allemand de l'environnement, et Monsieur Michael Krake du ministère fédéral allemand du développement. On peut l'applaudir une deuxième fois. Donc, ça va être vraiment une discussion intéressante. Donc, lorsque nous parlons des forêts, chers invités, bien sûr, nous parlons d'une concertation entre les ministères. Je sais que qu'il y a une stratégie donc pour les forêts 2050, donc en Allemagne. Quels sont donc les éléments importants pour une bonne coopération lorsque nous parlons de coopération au niveau des forêts? Merci. Madame Müller. Alors, quels sont les éléments pour bien coopérer? Nous avons trois ministères qui sont compétents pour les forêts au sein de notre gouvernement, mais nous avons différents rôles, donc nous sommes complémentaires. Je ne veux pas parler au nom des autres ministères. Je pense qu'ils pourront expliquer leur rôle. Je donc représente le ministère de l'Agriculture. Donc, il s'agit également de l'alimentation, mais également de la politique forestière au niveau national et également international. Et dans ce domaine, nous avons nos contributions que nous apportons. Nous ne voulons pas faire exactement la même chose que le ministère du Développement. Nous ne disposons pas des mêmes fonds financiers, mais nous soutenons la politique forestière au niveau international. Ensuite, nous parlerons des priorités, bien sûr, mais donc, quels sont les éléments d'une bonne coopération? Nous avons vu les chiffres qui parle donc de la disparition des forêts au niveau international, mais également en Allemagne. Quels sont les éléments pour une bonne coopération? Premièrement, il faut que les niveaux opérationnels dans les ministères doivent bien coopérer. Nous savons bien sûr qu'il va y avoir les élections législatives en Allemagne. Nous avions beaucoup de choses, nous n'avons pas réussi à faire tout le programme que nous avions prévu.
Nous avons donc présenté une stratégie forestière. Nos missions sont différentes dans mon ministère. Nous savons bien qu'il est important d'utiliser donc de manière durable les forêts. Il faut trouver un équilibre. Et dans un pays comme l'Allemagne, il s'agit donc d'une discussion démocratique. Je pense que la coopération donc au niveau technique fonctionne très bien entre notre ministère, même si parfois il y a des conflits, ceux-ci vont être résolus. Monsieur Krack, vous savez donc peut-être qu'hier il y a eu bien sûr un peu de sable dans ce processus. Donc, mais vous savez, donc, l'objectif commun est vraiment la protection des forêts. Donc, évidemment, chaque ministère a une vision différente sur les thèmes mondiaux. Donc, bien sûr, ce qui est important, c'est d'échanger. Et notre rôle, c'est vraiment de considérer les pays en développement, de les faire participer aux discussions internationales. Et donc, il faut voir quels sont les éléments qui fonctionnent vraiment au niveau des projets, du développement des projets. Et donc, c'est notre expérience dans ces projets concrets que nous voulons donc utiliser dans les débats internationaux et nationaux. Et je pense que comme ça, nous pourrons vraiment avancer. Donc, bien sûr, chaque ministère peut avoir sa stratégie. Et donc, c'est une sorte de concurrence pour présenter la meilleure idée. Donc, au ministère de l'Agriculture, quelles sont les priorités? Donc, vous allez organiser un sommet pour la forêt. Donc, car il faut également penser au niveau international. Quelles sont les priorités de votre ministère? Le grand problème que nous avons tous pour l'Allemagne et pour la communauté internationale est le changement climatique. Ceci concerne très fortement les forêts. Nous avons entendu l'augmentation des incendies de forêts. Il y a des dommages aux forêts qui sont causés, qui augmentent. Et en Allemagne, nous avons réagi très rapidement car nous sommes conscients que nous avons besoin de ces forêts, pas seulement en Allemagne, mais également dans le monde entier. Comme je l'ai déjà dit, nous travaillons plutôt au niveau de la politique internationale forestière. Une des priorités, par exemple, est le soutien apporté au Forum des Nations Unies consacré aux forêts. Il y a un grand nombre d'initiatives prometteuses que nous voulons mieux fédérer pour qu'elles aient plus de force d'action et d'impact. Par exemple, dans le cadre de ce forum forestier des Nations Unies, il existe donc un partenariat forestier qui est mené par la FAO et nous apportons un soutien à un grand nombre de projets communs qui sont menés par 15 organisations internationales engagé dans la protection des forêts. Donc, il s'agit donc d'un premier exemple. Deuxièmement, nous sommes donc un ministère de l'Agriculture. Nous nous occupons bien sûr des chaînes d'approvisionnement donc qui doivent être exemptes de déforestation au niveau mondial. Nous apportons notre soutien au niveau de l'Union européenne et également grâce au partenariat d'Amsterdam. Et troisièmement, un problème important, pas forcément pour la déforestation, mais peut-être pour la dégradation des forêts dans le monde entier. Nous menons une coopération étroite avec l'Union européenne à ce niveau. Et enfin, il faut transmettre des savoir-faire pour pouvoir gérer durablement ces forêts. Le BMZ est fortement impliqué dans ce domaine. Nous sommes complémentaires, donc avec un soutien apporté à certains programmes, donc avec différents experts allemands qui peuvent donc transmettre des savoirs dans différents pays.
il existe également une initiative avec la FAO et d'autres partenaires de formation pour nos pays partenaires. Donc, il faut avoir des connaissances sur les forêts. Un grand nombre de personnes, par exemple, qui habitent en ville, n'ont pas assez de connaissances sur les forêts. Alors, vous avez parlé donc de la déforestation et également des chaînes d'approvisionnement. Est-ce qu'il s'agit là également d'une priorité pour le BMZ? Donc, nous avons entendu que 90% des petits agriculteurs vivent donc de la forêt. Ils n'ont pas grandi dans des villes. Comment est-ce que nous pouvons vraiment apporter un soutien? Donc, lorsque l'on parle de renforcement des capacités, les personnes qui vivent du forêt ont besoin d'une perspective de développement. C'est ce que nous voulons créer. Donc, la protection des forêts et aussi un développement. Donc, par exemple, la lutte contre la pauvreté. Donc, il faut définir clairement les prix. Quels sont les coûts donc, même si parfois ils sont ignorés. Donc, il faut savoir de quel coût on parle lorsque l'on coupe du bois. Et nous, donc, profitons, nous, en tant que ministère du Développement, énormément de la connaissance des savoirs d'autres ministères. Et donc, nous fondons sur les connaissances d'autres domaines politiques. Et je pense qu'il y a également d'autres domaines qui s'intéressent à ces chaînes d'approvisionnement exemptes de déforestation. Donc, je pense qu'il y aura un débat très captivant l'année prochaine avec, nous espérons, donc la proposition de l'Union européenne pour une législation exempte de déforestation et également avec nos partenaires français qui vont avoir la présidence de l'Union européenne. Et en tant que ministère, nous avons appris que la politique de développement n'a pas seulement lieu dans des pays éloignés, mais également en Allemagne et en Europe. Et, monsieur, est-ce que vous voulez maintenant compléter de la perspective du ministère de l'Environnement? Alors, nous sommes compétents pour la biodiversité, par exemple. Donc, il va y avoir des négociations. Et nous, en Allemagne, il s'agit donc pour nous une conférence qui va vraiment déterminer les 10 prochaines années à venir. Donc, nous investissons en faveur d'un cadre ambitieux, car donc, les décisions qui seront prises seront décisives pour la prochaine décennie, donc pour la protection de l'environnement et du climat, et également pour les forêts. Donc, il faut vraiment lier les différents aspects. Il y a donc des solutions basées sur la nature, par exemple. Comment un euro peut avoir des impacts plus importants. Et nous pensons également au sommet donc, de Paris. L'Allemagne a tenu sa parole. Donc, nous avons mis à disposition 5 milliards d'euros pour la protection des forêts tropicales. Nous sommes prêts à prendre d'autres engagements financiers, mais c'est trop peu. Le nouveau gouvernement allemand qui va être élu va devoir se pencher sur les questions de savoir comment renforcer l'engagement pour accroître ce cadre, ce volume financier. Et donc, il s'agit de défis très importants. Nous sommes à la croisée des chemins. Il s'agit vraiment de l'avenir de la décennie qui va arriver. Et en ce qui concerne l'échelon mondial, donc nous, en Allemagne, nous avons 25% de surface forestière. Donc, au niveau international, il faut vraiment tirer sur la même corde.
Nous avons maintenant des objectifs très importants en ce qui concerne la biodiversité au niveau européen. Et donc nous espérons également que ceci va être continué par le Royaume-Uni qui ont vraiment bien préparé les choses. Donc il faut vraiment lutter contre la disparition de la biodiversité. Et il s'agit surtout donc de la survie des humains. C'est nous qui sommes menacés. Donc, que pensez-vous de ce fair deal? Je pense que c'est la bonne voie à suivre. Vous l'avez déjà dit. Nous sommes tous dans le même bateau. Et cela concerne le changement climatique, mais également la préservation des forêts dans le monde entier. Par conséquent, en tant que communauté internationale, nous devons coopérer. Ceci signifie donc à l'inverse que si nous voulons la protection des forêts tropicales, alors il faut apporter notre contribution. Nous ne pouvons pas donc laisser ce fardeau aux pays limitrophes. Et en ce qui concerne la COP 26, quels sont les éléments qui vont permettre de faire avancer les choses? Ce symposium d'aujourd'hui peut être un signe fort et c'est également notre attention. Nous voulons montrer qu'ensemble, nous voulons progresser en unissant nos forces. Hier, nous avons entendu, donc il y a eu la déclaration du PFBC hier. Donc il s'agit là d'un signe très fort pour montrer que nous voulons progresser ensemble. Nous voulons sauver ensemble le climat et tenir notre parole. Monsieur Krake, je passe directement la parole à votre collègue, car vous avez déjà répondu. Quels sont les avis dans votre ministère? Donc, c'est un impératif. Je pense qu'il ne faut même pas discuter. C'est un impératif. Avec d'autres pays. Donc, nous sommes les marchés. Et donc, il faut pas seulement le gouvernement, mais également tous les acteurs, les entreprises le long de cette chaîne d'approvisionnement. Nous avons donc besoin donc de prix équitables en Allemagne. Donc nous devons le faire pour empêcher de détériorer la situation dans d'autres pays. Donc c'est la décennie de la restauration des habitats. Et je pense que c'était exactement la même approche avec les forêts tropicales. Donc cette décennie des Nations Unies est une opportunité pour s'engager plus fortement. Et il y a vraiment des interconnexions entre tous ces thèmes. Je ne pense pas que les consommateurs en Allemagne, s'ils savaient quels produits ils achètent, donc la question donc de la transparence vis-à-vis des consommateurs, je ne pense qu'ils ne seraient pas prêts à acheter des pays qui ne soient pas négociés de manière équitable. Donc, je pense que l'acceptation serait très forte. Est-ce que la demande est là? Est-ce que les consommateurs demandent vraiment quelle est l'origine des produits? Est-ce qu'ils sont équitables et durables? Peut-être pas assez, mais de plus en plus. Et je pense que cette pandémie a contribué à ce qu'en Allemagne, les gens veuillent se nourrir de manière plus consciente, veulent mieux connaître l'origine des produits, leur façon d'être fabriqués. Donc cette pandémie a vraiment stimulé cette tendance. Mais bien sûr, cela pourrait être encore plus fort. Merci pour cette discussion. Et donc je pense que vraiment c'était des informations captivantes sur les trois différents ministères, hein,
pour savoir comment il y a une coopération entre les différents ministères pour parvenir à un objectif. Et je remercie les intervenants des trois ministères fédéraux allemands. Liebe Gäste et chers invités, nous allons nous rendre ensemble vers une discussion avec les spectateurs et les spectatrices. C'est la nouvelle normalité et ce format en hybride. Donc, je suis en présence de quelques visages qui sont là en réel, mais nous avons également des personnes qui nous sont connectées sur Internet. Donc, je voudrais savoir où vous êtes. Dites-nous d'où, où vous êtes, dans quelle ville. Cela nous intéresse beaucoup, car on voudrait savoir d'où vous venez, quel est votre contexte régional. Et tout à l'heure, nous allons continuer à discuter avec vous et nous allons répondre tout à l'heure à vos questions. Merci pour vos réactions. Je crois que nous nous rapprochons de plus en plus. Donc, nous avons des invités du congrès de l'UICN, des invités de Berlin, Bruxelles, de Bonn. Donc, mes salutations vers la Rhénanie. Des invités du Cameroun, merci, bienvenue à notre symposium Washington DC, États-Unis. Bienvenue également à l'autre côté de l'Atlantique. Fribourg, Marbourg, Kampala, en Ouganda. Nous sommes très à l'international. Londres, Marseille, Edinburgh, Antananarivo, Madagascar, merci, bienvenue, merci d'être avec nous. Barcelone, la France, bien sûr, en Europe, depuis la conférence de l'UICN, merci d'être avec nous. C'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, encore une fois aujourd'hui, pendant cette jeune. C'est une sorte de relais que nous prenons après le congrès mondial de la nature de l'UICN. Donc, nous sommes toujours à l'actualité. Même l'Australie, malgré le décalage horaire, merci d'être avec nous cet après-midi. À Melbourne, le Royaume-Uni, San Francisco, où il fait très, très tôt. Merci d'être avec nous, la Guinée équatoriale, le Rwanda, merci beaucoup. Salutations vers le Rwanda, le Cameroun, le Népal. Ça me fait très plaisir de voir le nombre de participations à cette visioconférence, ce qui montre que nous vivons dans un même monde et que l'on œuvre ensemble pour une même chose. Oxford, Jakarta en Indonésie, merci, salutations également vers l'Indonésie qui a également d'importantes forêts, Fribourg, Londres, je crois que je les ai tous cités. Marseille, encore une fois, merci aux partenaires qui sont avec nous et salutations également à Jakarta. Merci à vous tous. Nous avons déjà évoqué un certain nombre de sujets, mais nous allons approfondir et creuser encore davantage nos sujets. Il faut toujours adopter les différentes perspectives et c'est notre objectif avec beaucoup de monde sur scène. C'est très important de vous montrer, de ne pas parler les uns des autres, mais de parler entre nous. Et je vais donc vous présenter les participants qui seront sur scène ou connectés. Ce sera un
round important. Je commence par le ministre des Eaux, de la Forêt, de la Mer et de l'Environnement du Gabon. Vous êtes ministre depuis 2019 de la République du Gabon. Avant d'être ministre, vous étiez directeur de l'autorité nationale en charge des parcs nationaux et avant, il travaillait pour la Wildlife Conservation. Sous son impulsion, l'autorité gabonaise s'est beaucoup engagée contre le commerce illicite des sauts, les animaux sauvages. Monsieur le professeur Lee White, je salue également la vice-ministre de l'Environnement et de l'Eau de l'Équateur. Depuis 2021, vous êtes ministre. Avant, vous étiez directrice de l'Environnement de la ville Guayaquil. C'est une ville en Équateur qui est considérée comme la porte vers le Pacifique et qui est le point de départ pour faire des visites des îles Galapagos. Vous êtes ingénieur agricole et spécialiste de l'économie écologique. Donc là où nos champs d'intérêt se croisent, où l'on parle de la durabilité des systèmes écologiques. Je souhaite la bienvenue à Bianca Daga. S'il vous plaît, mettez-vous à ma gauche sur scène. Soyez la bienvenue. Merci d'être venue. Je salue Janet Rogan. Depuis cette année, vous êtes l'ambassadrice régionale de la COP26 de Moyen-Orient et de l'Afrique. Depuis 30 ans, vous travaillez au ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni et vous avez donc eu différentes missions au Moyen-Orient, dans les Balkans, en Afrique. Donc, vous connaissez tous les contextes. Vous avez travaillé pour l'agenda 2030 du développement durable et vous connaissez les conflits, la situation dans les États fragiles. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Puis, nous sommes avec Shamsat Kourou, vice-directrice de l'Organisation internationale des bois tropicaux. Merci d'être avec nous. Vous connaissez la sylviculture, l'industrie des bois, la politique et les négociations internationales. Ce sont vos champs d'intérêt qui vous accompagnent depuis deux décennies au quotidien. Avec vous, on va discuter la question de savoir comment peut-on rendre plus durable le commerce international des bois tropicaux? Merci et bienvenue à Shamsat Kourou. En virtuel, nous est connecté un représentant de la Commission européenne, Monsieur Hugo Maria Schali, le chef de l'unité de la coopération multilatérale en matière de l'environnement dans la DG Environnement de la Commission européenne. Il est en charge de la coordination de la coopération de la Commission européenne avec les organisations internationales de l'environnement, et ceci dans le contexte des accords multilatéraux en matière d'environnement. Soyez le bienvenu, Monsieur Schali. Monsieur Schali, j'espère que vous m'entendez bien. S'il vous plaît, dites-moi si vous m'entendez bien. Oui, bonjour. Depuis Bruxelles, je vous entends bien et j'espère que ça marche également dans un sens inverse. Merci d'être avec nous en virtuel. Puis, nous avons un représentant de la Chine, professeur à l'Institut de recherche sur l'information forestière. Il est donc expert en matière de foresterie. Il travaille à l'Académie chinoise de la foresterie et il est conseiller pour le mécanisme bilatéral entre la Chine et l'Union européenne. Bonsoir à vous. En Chine, vous êtes à Pékin. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien.
On aura une traduction consécutive du chinois vers l'anglais tout à l'heure. Et en fin de compte, les deux derniers invités, la coordinatrice de campagne de l'ONG Fern qui est située à Bruxelles, qui veut promouvoir l'équité écologique et sociale pour les populations qui vivent en forêt. Elle s'engage pour une plus forte politique forestière internationale. Je salue Hanna Movat. Merci d'être avec nous. Et en fin de compte, je vous présente le directeur général de la Société zoologique de Francfort. Il s'engage pour le monde animal menacé. Je vous présente Monsieur le docteur Christophe Schenk. Bonjour, Monsieur Schenk. Merci d'être avec nous. On a déjà beaucoup parlé des forêts. Et je voudrais quand même m'immerger dans les poumons verts de ce monde. Donc, je demande aux représentants du Gabon et de l'Équateur, je voudrais commencer par vous, car vous pouvez nous dire ce qu'on peut faire. On parle souvent de la dégradation des forêts et de la menace, mais on peut également parler de la protection. Et là, on voudrait savoir ce que vous faites, ce qui fonctionne bien chez vous. Je sais que l'Équateur est qualifié de champion en la matière. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi tout ce que vous faites pour préserver les forêts humides et tropicales chez vous? Bonjour. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci pour l'occasion de parler devant vous, de parler des défis et également des opportunités qui se présentent à nous dans mon pays. Je voudrais tout d'abord vous présenter mon pays. L'Équateur fait partie des 10 pays qui abrite toujours une large biodiversité, beaucoup de flore, beaucoup de faune, et 65% de nos écosystèmes se trouvent en zone tropicale. Nous avons 12,5 millions d'hectares de forêts primaires, dont un haut pourcentage chez nous, à l'intérieur de nos frontières, et 74% de ces hectares se trouvent en Amazonie. 61% de nos forêts nationales sont protégées. Nous avons mis en place des programmes très ambitieux. Je parlerai, par exemple, au Socio-Bosque, un programme qui pourrait être compris comme un partenariat forestier. C'est un vaste programme qui prévoit des paiements en fonction des résultats obtenus. Donc, l'on paye pour les mesures de protection des forêts qui sont effectuées, et ceci depuis 20 ans. C'est un processus de longue haleine, une approche à long terme pour préserver nos forêts tropicales. 1,6 million d'hectares sont donc protégés et 200 000 personnes, surtout les populations autochtones et d'autres communautés, y vivent. 85% vivent donc en forêt humide de l'Équateur. L'Équateur s'engage pour RED+. Nous jouons un rôle pionnier en la matière et nous faisons partie des premiers pays à travailler pour REN-Mobisch, un projet qui est soutenu par l'Allemagne et la Norvège. Et il y a également une coopération avec le GCF et le GPF, que ce sont également des programmes merveilleux qui aident les petites communautés amazoniennes à protéger leurs forêts. Nous mettons également l'accent sur les
chaînes d'approvisionnement agricole, soja, les fèves de café et du cacao. Nous avons un programme de réforestation d'ici 2025. Et je voudrais également vous parler des alternatives, car 95% de la perte de forêt s'explique par l'agriculture et par donc l'expansion des villes. Nous avons besoin de meilleures mesures de protection contre les incendies. Cette année, il y a un objectif que nous avons réalisé. En temps sec, en période sèche, nous avons réussi à réduire le nombre des incendies. Nous avons donc réalisé du progrès. Nous avons une économie basée sur du pétrole. Et dans ce contexte, le gouvernement s'est fixé un nouvel objectif. Donc, nous avons changé le nom du ministère pour parler du ministère de l'eau, de l'environnement et de la transition écologique. Car nous aussi, nous voulons devenir plus résilients face aux défis climatiques. C'est un énorme défi. Également un processus de longue haleine. Il nous faut donc une approche à long terme et pour cela, il nous faut la coopération internationale. Monsieur le ministre, à écouter votre homologue, qu'est-ce que vous avez noté? Est-ce que ça coïncide avec la situation du Gabon ou quelles sont les tendances de développement du Gabon qui sont positifs ou des défis dans votre pays lorsqu'on parle de la gestion durable des forêts et la préservation des forêts tropicales? Le Gabon, c'est une partie du bassin de Congo. C'est une des pays noirs sur les cartes de Matt Hansen. Il n'y avait pas de rouge, il n'y avait pas de déforestation. Donc, c'est un pays à haute couverture forestière, 88% de forêt, faible déforestation. Avec les forêts incroyables, les forêts où les arbres peuvent dépasser 70 mètres de haut, 1000 ans, qui peuvent vivre 1000 ans. On voit dans le bassin de Congo des forêts en général très hauts en stock de carbone, à la fois dans la végétation, à la fois dans le sol. Et les forêts du bassin de Congo sont très importantes pour plusieurs raisons. Peut-être le plus important, c'est que ce sont des forêts qui résistent le mieux les changements climatiques. On voit autour du monde que les forêts tropicales commencent à mourir à cause des changements climatiques, des sécheresses, de chaleur. Et c'est les forêts du bassin de Congo qui résistent le mieux, donc qui deviennent de plus en plus importantes. Matt Hansen a dit quelque chose d'intéressant. Il a parlé d'un deal équitable, fair deal. Je pense qu'il faut plutôt parler en termes d'optimisation. Je donne un exemple juste un peu pour provoquer. Le Gabon aujourd'hui émet nos émissions de CO2 de tous nos secteurs, transport, les villes, déforestation, l'exploitation forestière, sont autour de 35 millions de tonnes. Donc, des émissions assez bas. Nos séquestrations, nos absorptions de l'atmosphère sont autour de 140 millions de tonnes. Donc, en net, on n'est pas carbone neutre. En net, on absorbe chaque année plus que 100 millions de tonnes de CO2. Donc, on absorbe chaque année 15% des émissions de l'Allemagne, qui est un pays industriel qui émet beaucoup de CO2. Donc, le Gabon
Hein, tout seul absorbe 15% des émissions. Le challenge, c'est de continuer jusqu'en 2030, 2040, 2050 à être un absorbateur net. Il faut trouver un moyen économique de donner une valeur à nos forêts pour que c'est dans l'intérêt des peuples gabonais, des peuples du bassin de Congo, de pérenniser ces forêts, de continuer à absorber. Donc il faut qu'on trouve effectivement un deal équitable entre les pays développés et les pays comme le Gabon qui absorbent le CO2 pour qu'on peut nous préserver ces forêts. On ne croit pas dans les promesses de RED, de paiement pour les tonnes de carbone. On ne croit pas. Ça fait 15 ans qu'on parle de ça. En 15 ans, on en a vu très peu. On a vu la Norvège qui fait des efforts incroyables, mais on ne voit pas grand-chose. Donc, au Gabon, on a décidé de développer notre propre modèle. Quand on exportait des grumes vers l'Allemagne, vers la France, vers la Chine, sans transformer le bois au Gabon, on gardait 8% de la valeur de notre bois au Gabon et on faisait un don de 90%, 92% de la valeur aux autres pays, aux pays industriels. C'est la maladie du Gabon, c'est la maladie de l'Afrique. L'Afrique a toujours été une source de matières premières extraites à un coût minimum pour être valorisées ailleurs. Aujourd'hui, on a dit non à ce modèle. On a interdit l'exploitation des grumes. La valeur ajoutée de notre bois doit être faite au Gabon. Les emplois basés sur notre bois doivent être faits au Gabon. Et en faisant ça, on multiplie la valeur de notre forêt fois 10. Avant, on gardait que 10%, maintenant on garde 100%. Donc la forêt devient quelque chose qui crée des emplois pour les Gabonais et qui crée une économie pour le Gabon. Et ça devient dans notre intérêt de garder cette forêt. On peut peut-être, après, le rendre plus profitable, plus durable, avec un prix de carbone équitable, un prix de carbone qui reconnaît en même temps les services écosystémiques et la biodiversité de notre pays. Parce que nos forêts créent la pluviométrie dans le Sahel. Les forêts de la RDC créent la pluviométrie en Éthiopie qui alimente le Nil bleu en eau et qui soutient l'agriculture en Égypte. Donc sûrement, une tonne de carbone en RDC qui crée cette pluie, qui fournit ces services écosystémiques, est beaucoup plus valable qu'une tonne de carbone en Europe dans une usine de charbon. Mais la réalité, c'est l'inverse. Votre carbone vaut 70 euros la tonne et le nôtre 5 dans le processus RED. Donc, trouvons un modèle économique pour préserver les forêts tropicales du monde. Merci. Donc, nous avons parlé d'un certain nombre de thèmes. Maintenant, j'attends la réaction de M. Chali. Donc, si vous avez entendu cette approche, est-ce que vous seriez d'accord avec cette approche? Et en ce qui concerne l'Union européenne, donc l'Union européenne est donc à l'origine de 16% de la déforestation due par le commerce international. C'était le chiffre de 2017. Donc, quelle peut être la responsabilité de l'Union européenne et quelles sont les actions qu'elle peut prendre pour apporter un appui également financier? Bonjour de Bruxelles. Je suis heureux de pouvoir être présent, même si c'est seulement en virtuel. Lorsqu'on parle de la question des forêts tropicales et de leurs menaces croissantes, nous les observons déjà depuis longtemps au sein de l'Union européenne. Nous avons vu au cours d'un grand nombre d'années que
qu'il y a la question de la coupe des bois avec la destruction de la nature et des forêts primaires. Donc, il y a également une expansion des surfaces agricoles. Lorsque l'on voit les chiffres des dernières années, où il y a eu donc ces influences environnementales, alors l'Union européenne et ses États membres doivent apporter une contribution également, évidemment, parce qu'elles consomment ces produits. Dans l'Union européenne, depuis un grand nombre d'années, nous avons élaboré une législation qui traite du problème de la coupe illégale de bois. Et au cours des dernières 15 et 20 années, nous avons mis en œuvre cette législation avec succès. Mais les dernières années, nous avons compris que cela n'est pas suffisant. Et c'est pourquoi, en 2019, nous avons mis en place un concept général de l'Union européenne en ce qui concerne la déforestation mondiale. Il y a différentes priorités qui vont très bien avec ce que les deux ministres ont présenté ici. D'une part, l'Union européenne, donc qui est un marché pour les débouchés, donc et sa responsabilité en la matière, et elle doit assurer, d'une part, que ces produits et ces biens n'arrivent sur le marché européen que lorsqu'ils n'ont pas contribué à la déforestation dans les pays d'origine. Et mais également, il faut prendre des mesures qui permettent donc une consommation durable de ces produits et apporter un soutien à une production durable. Donc, les biens, par exemple le bois ou d'autres produits agricoles, ne doivent pas être contradictoires avec une utilisation durable de la forêt. Donc, c'est la question de savoir comment ces produits sont fabriqués. Ceci est également lié, également, et là aussi, nous, cette année, nous voulons faire une proposition comment, dans le marché européen, nous allons donc gérer ces produits, par exemple le bois ou alors l'huile de palme, le cacao, le café, et comment est-ce qu'on garantit qu'ils arrivent sur le marché européen lorsqu'on est sûr qu'ils soient vraiment produits durablement. Et la dernière question est celle de la coopération avec les pays producteurs pour pouvoir permettre une production durable et de systèmes agricoles durables. Donc, nous avons donc un concept de partenariat forestier qui est une proposition faite aux pays producteurs. Ils peuvent donc coopérer s'ils sont intéressés par une coopération donc, pour mettre en place donc, des...
So now I can hear you. Please go on. Katie, and if I may, I would like to start by saying thank you to Geert Müller. I don't know if he's here, and it's not because I'm British and we have a national obsession with being polite. It's because the framing of this conference is absolutely spot on. A fair deal for forests. Fairness isn't something that you just add on. It's a fundamental underlying precondition for policies to work. I'm based in France, and we understood very, very well the importance of fairness in policies with the Gilets Jaunes uprising, the Gelbwestung Bewegung, where French citizens managed to force a U-turn on Emmanuel Macron's carbon tax. A carbon tax that was so desperately needed, but citizens didn't think it was fair. It was going to force more inequality, and it's not being implemented. And it's exactly the same for tropical forest policies. If they're not fair, they just simply won't work. And so I would like to just very quickly zoom in on the what I see to be one of the biggest missing pieces in the overall international architecture for protecting tropical forests. And that's exactly what Mr. Shadi has just been talking about, which is the EU deforestation-free supply chain policy. And we're really looking forward to it coming out. And I want to ask three questions in terms of its fairness. Will it be fair to people? Will it be fair to smallholders, or will it cut them out? Will it be fair to the communities that they are on the front lines of defending their forests and their lands? Will it require companies to not only check that goods are deforestation free, but also that it's respecting community land tenure rights? Second, will it be fair to producer countries? Will they think it's fair? Will it invite them into a deep partnership and incentivize them towards steps of improving forest governance? Because unless it does that, there won't be cooperation. Unless there's cooperation, it won't work. It will create a niche market in green goods, but it won't create that transformative change across lands and across supply chains. And est-ce que ce serait un processus qui soit vraiment équitable? Par cela donne un vrai espace à la société civile pour pouvoir négocier et développer les politiques. Donc, il faut vraiment que les gouvernements mettent en œuvre ces policies. La société civile joue un rôle crucial. Donc, il y a beaucoup, bien de choses à dire, mais je pense qu'il s'agit donc des points les plus importants. Donc, bien sûr, nous voudrions également lancer la balle donc au secteur privé. Donc nous avons une représentante de l'organisation du bois tropical international. Merci d'être présente ici aujourd'hui. Lorsque nous parlons donc de la gestion durable des forêts, donc et lorsque nous parlons d'un fair deal, quelles sont les questions pour vous, en ce qui concerne la gestion durable? Comment est-ce que cette gestion peut être durable et également équitable, faire? Qu'est-ce qui doit être modifié dans le marché du bois contre les coupes illégales, la surexploitation, par exemple? Quels sont également les points que vous voudriez mettre en œuvre, madame? Merci pour cette longue liste de questions. Je voudrais tout d'abord remercier le gouvernement fédéral allemand qui m'a invité à participer à ce panel. Merci. Donc, je viens de l'ITO. Nous sommes une organisation qui comprend donc 74 membres. Notre mandat donc nous sommes donc un bébé d'une conférence des Nations Unies. 45% des zones forestières mondiales, donc 4 milliards d'hectares sont de la forêt tropicale. Et nos États membres
comprennent 80% de ces forêts et 90% du commerce avec des produits de bois tropicaux. Et je tiens à remercier des intervenants auparavant qui ont mentionné des faits importants, comme M. Krack du BMZ a dit qu'il fallait plus investir dans les forêts tropicales et dans leur préservation. Nous devons accroître largement donc les fonds qui sont attribués au, à la protection du climat. Seulement 3% des fonds étaient alloués aux forêts. Et donc il s'agit donc préserver de manière durable. Et bien sûr, l'autre côté est vraiment le commerce équitable. Bien sûr, cela a un coût. Tout a un prix. Si nous parlons d'un fair deal, comme monsieur le professeur Hansen l'a dit, les pays des forêts tropicales doivent souvent faire des sacrifices. Ils doivent s'adapter à des réglementations. Ils doivent essayer de mettre en œuvre ces exigences. Ça fonctionne dans un grand nombre de pays, mais pas dans tous. Et ceci est lié avec la cause qui est celle de la pauvreté. Donc, il faut donc créer des bases durables de vie pour pouvoir nourrir les populations et pour pouvoir créer des revenus. Donc, nous avons entendu ce que le Gabon fait, par exemple. Si nous voulons un fair deal, alors aujourd'hui, c'est un bon début. Et je viens moi-même d'un pays donc tropical, et je pense qu'il faut vraiment que ceci soit juste. Ce deal doit être juste, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes doivent avoir les mêmes chances de pouvoir obtenir des résultats. Bien sûr, les conditions sont différentes, mais chacun doit vraiment disposer des mêmes chances. Et je pense que les spectateurs sur Internet vont voir et que d'autres donateurs, par exemple, comme les États-Unis, l'Union européenne, vont voir ce que nous voulons faire. Donc, il faut donc un renforcement des capacités qui soient soutenues. Et il y va également de l'éducation qui a déjà été mentionnée aujourd'hui. Cela joue un rôle crucial. Et nous, dans l'ITTO, nous sommes actifs avec tous nos instruments. Nous avons déjà mis en œuvre 1200 projets lors des dernières années et notre appel est très clair. Nous avons besoin d'un soutien pour pouvoir continuer à travailler comme nous le faisons déjà. Le gouvernement fédéral allemand peut nous apporter un soutien précieux en s'investissant dans les dialogues qui précèdent la COP26. Donc, ces processus sont très importants. Nous attendons donc également de continuer à coopérer au-delà de la COP26. Bien sûr, avant une COP, différentes initiatives sont annoncées et qui ensuite disparaissent petit à peu, mais nous devons vraiment veiller à ce que cette fois-ci, cela soit différent. Car nous voyons donc les grandes menaces pour les forêts tropicales qui sont vraiment réelles. C'est ce que conviennent également les ministres présents ici aussi. Donc, et c'est comme ça que nous permettrons donc au développement durable d'être présent dans les régions tropicales.
Donc, merci d'avoir présenté la perspective du secteur privé. Puisque vous avez mentionné la COP26, je m'adresse à nouveau à Madame Rogan. Donc, il y a cette volonté de faire plus, d'aller au-delà de la COP26, de faire encore un pas supplémentaire, d'aller plus de l'avant. Donc, je voudrais savoir quelle est la responsabilité du Royaume-Uni, de quelle manière le Royaume-Uni essaiera de plus en plus se focaliser sur les projets, même au-delà de la COP26. Merci, Katie. De mon côté aussi, je tiens à remercier le gouvernement fédéral. Merci de nous avoir invités tous ensemble sur cette scène, tous les ministres, tous les experts qui sont présents aujourd'hui. C'est pour moi un très grand plaisir que de pouvoir participer avec vous. Lorsqu'on parle d'un deal équitable, il faut tout d'abord dire ce qui n'a pas été équitable par le passé. Et cela, nous l'avons regardé en préparant la COP26, lorsque nous avons réfléchi sur la question de savoir comment placer les forêts au centre de nos travaux. À regarder les forêts et les financements qui leur sont destinés, on a constaté que 3% des financements climatiques débouchent seulement sur la préservation des forêts. Les forêts du bassin du Congo a reçu beaucoup moins de financement que les forêts en Amazonie ou en Asie du Sud-Est. Notre objectif, c'est un objectif zéro net en termes d'émissions et les forêts ont un rôle particulier à jouer pour réaliser ces objectifs. Alors, il faut y regarder de près. Comment voulons-nous traiter les forêts? Comment voulons-nous gérer l'utilisation des terres? Les forêts et l'utilisation des terres, ce sera une priorité pour nous. Il y aura un sommet des chefs pendant les deux premières journées de la COP et nous avons prévu un événement spécial consacré aux forêts, à l'utilisation des terres. Nous voulons adopter une résolution commune en la matière pour aller vraiment de l'avant. Aujourd'hui, on a déjà parlé du lien qui doit être coupé entre les activités illégales et le commerce illégal à l'origine de la déforestation et de la dégradation des forêts. Donc, une gestion durable, elle est possible. Parfois, les forêts sont déforestées pour agrandir les surfaces agricoles. Alors, le secteur privé doit être associé à nos efforts. Le secteur de l'agriculture doit être associé à nos efforts pour la rendre plus durable. Il nous faut une feuille de route, donc, pour couper ce lien qui existe entre les activités, les pratiques illégales, le commerce illégal des produits ligneux. Et nous avons également beaucoup discuter du besoin en financement climatique et c'est vrai pour l'ensemble de l'agenda climatique. Nous engageons pour les 100 milliards de dollars promis à Paris, cette somme qui devrait être destinée aux pays en développement, cette somme doit être payée, cet objectif doit être réalisé. Nous voulons faciliter l'accès au financement. C'est quelque chose que nous avons constaté dans les projets transversaux, intersectoriels. Parfois, c'est difficile d'avoir accès au financement. Nous avons donc créé une task force consacrée à l'accès au financement. Comment faire en sorte que les pays qui ont besoin de financement en aient un meilleur accès?
Nous avons parlé du secteur privé, nous voulons encourager les investissements privés, nous voulons faire en sorte que cet objectif zéro net soit intégré dans les mesures du secteur privé. C'est très important. Les forêts jouent un rôle essentiel dans la réalisation de cet objectif zéro émission net. Donc, il faut davantage attirer notre attention sur les forêts, plus que par le passé. Les forêts absorbent du carbone, du CO2. Donc, elles joueront toujours un rôle essentiel pour protéger le climat. Si les forêts sont détruites, les forêts peuvent également devenir des émetteurs à l'origine des émissions de CO2. Donc, il faut vraiment enclencher une transformation profonde dans notre perception des forêts et l'utilisation des terres. Prenez l'accord de Paris, la protection du climat, l'adaptation, la mitigation. Nous voulons toujours réaliser l'objectif de 1,5 degré. Nous voulons faciliter l'accès au financement et nous voulons améliorer la préservation des forêts. Nous voulons mettre plus de financement à disposition à cet objectif en y intégrant le secteur privé. Et en même temps, les gouvernements et les populations autochtones dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui. Les communautés autochtones ont une expérience, une expertise centrale et un rôle essentiel à jouer qui est essentiel pour l'agenda de la forêt. Monsieur Chen Yong, je ne vous ai pas oublié, mais très brièvement, une précision que je voudrais demander à Monsieur White. Est-ce que vous êtes convaincu de ce qui est dit, des actions qui sont proposées? Est-ce que cela vous convainc? Et je vous prie de donner une réponse brève, car j'ai d'autres invités qui n'ont pas encore eu la parole. Oui, je crois que c'est un bon début d'avoir cette discussion. Dans les chaînes de production alimentaire. Mais est-ce que la Suisse va interdire le chocolat? C'est ça qu'on dit. Est-ce que vous avez vraiment creusé la définition de ces termes zéro déforestation, zéro net déforestation? On a souvent l'impression que ces termes ne s'appliquent qu'à nous, pays en voie de développement. Zéro déforestation, c'est pour les pays en voie de développement, ce n'est pas pour les pays développés. Un agriculteur en Europe, il peut couper une forêt sur sa ferme et planter les pommes de terre. Déforestation, c'est un demi-hectare de coupé. Donc, on ne suit pas. Donc, il faut vraiment qu'on s'assoie et qu'on va en profondeur et qu'on trouve. On trouve des solutions gagnant-gagnant qui sont effectivement équitables. Donc, on a commencé, mais on doit aller beaucoup plus loin. Vielen Dank für dieses kurze Stimmungsbild. Merci pour ce sentiment que vous avez partagé avec nous. Et maintenant, je m'adresse à Pékin. Je m'adresse à Monsieur le Docteur Chen Yong. Lorsqu'on parle de la déforestation, l'on parle également des chiffres de la Chine. En 2017, la Chine était responsable de 24% de la déforestation causée par le commerce international. Alors, comment la Chine peut-elle assumer sa responsabilité en tant que pays de consommation? Et lorsqu'on parle des conditions cadres, comment créer des conditions cadres durables pour les bois tropicaux dans la perspective de la COP, par exemple? Monsieur Yong, j'espère que vous m'avez bien compris. Maintenant, nous allons avoir une traduction consécutive, donc il va y avoir un petit retard. Un petit décalage. Donc, on aimerait bien connaître votre point de vue. Quelle est la responsabilité de la Chine?
Würden Sie kurz stoppen, damit wir die Übersetzung schon mal haben, damit wir das in Stücken aufgreifen? Herr Jung, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbrechen muss. Désolé de vous interrompre. Est-ce qu'on pourrait avoir une traduction par morceau? Est-ce que je peux vous couper ici? Donc, seulement quelques phrases avec traduction après pour rester en discussion. Donc, quelques phrases et après, le temps pour la traduction. Alors, où est la responsabilité de la Chine? En quelques phrases. Okay. So, ladies and gentlemen, good morning. Bonjour, mesdames et messieurs, et merci. Les forêts sont l'écosystème terrestre le plus important. C'est important pour les services qui sont rendus à l'humanité et c'est important pour le développement économique aussi. Nous voulons lutter contre le changement climatique et nous voulons également protéger la biodiversité. Et je sais que les forêts ont un rôle essentiel à jouer. Nous sommes donc l'organisateur de la COP15 sur la biodiversité. Lors de la COP15, on parlera de la civilisation écologique, d'un avenir commun pour toute la vie sur notre planète. La Chine a donc créé cette notion d'éco-civilisation qui est ancrée dans notre constitution et le secteur forestier a pris des mesures concrètes pour renforcer les forêts, pour la réforestation, pour la préservation des forêts naturelles et pour la création de parcs naturels. Et beaucoup de progrès ont été réalisés au cours des dernières années. Meanwhile, China has been striving to fulfill the international. Et la Chine veut bien sûr assumer sa responsabilité internationale et respecter ses engagements. Nous sommes un pays important de transformation de bois, de produits ligneux. C'est un commerce important pour notre pays. Nous luttons contre la coupe illégale du bois et contre le commerce inéquitable et déloyal. Nous voulons donc promouvoir un développement équitable. Nous avons adopté un nouveau code forestier pour renforcer la répression en la matière. Nous avons, au niveau international, nous avons adopté des normes internationales dans notre système de commerce. Thirdly, China improved its guidance. Et troisièmement, la Chine a amélioré ses services. La Chine a augmenté la responsabilisation des entreprises, a renforcé le commerce équitable et les marchés publics équitables. Nous avons un modèle de coopération 6 en 1 pour créer cette situation gagnant-gagnant. Le gouvernement a créé des incitations, un développement sur la base d'un programme et nous voulons également améliorer les financements. Merci à Pékin. Je vous interromps car nous devons absolument continuer ici et nous
vont également les questions de nos spectateurs et spectatrices qui vont m'arriver tout à l'heure. Et j'ai une question que j'adresse à Monsieur Schenk. On parle trop peu des populations autochtones, des communautés locales, donc on voudrait connaître votre point de vue. Quelles sont les perspectives, non seulement de la COP, mais au-delà, vous venez de rentrer de Marseille. Donc, c'est quoi exactement le Legacy Fund? Quelles sont donc les priorités? Qu'est-ce qu'il faut mettre en relief? Le microphone ne marche pas? Il n'est pas branché? Non, ça ne marche pas. Oui. Maintenant, ça marche. Il y a une chose qui est essentielle, c'est la dramatique et la dimension de la crise que nous vivons. Le président américain a parlé d'une alerte rouge concernant le changement climatique. Hier, à Marseille, j'ai rencontré des scientifiques du Brésil qui ont parlé de milliers d'incendies en Amazonie. Nous approchons de plus en plus du point de basculement en Amazonie. Donc, la forêt ne produit plus suffisamment de pluie. Donc, c'est une auto-déforestation. C'est cruel, ce scénario. Donc, il ne faut même pas des haches ou des incendies. Donc, la forêt, elle va disparaître. Elle va émettre des CO2. C'est vraiment la fin du monde tel qu'on le connaît. Donc, les modèles, les simulations d'ordinateur nous disent que cette situation commencera à partir d'un taux de déforestation de 20-25% et nous sommes actuellement à 17%. Donc, il faut dire au Brésil, stop, on ne peut pas continuer comme ça. On a perdu la moitié des forêts tropicales. Et si dans 3 ans, on se réunit à nouveau ici lors d'un nouveau symposium et si on n'aura pas réussi à enrayer la perte de forêts, c'est creuser notre propre tombe. C'est vraiment très important. C'est dramatique, ce scénario. Et dans ce contexte, il faut trouver et chercher des solutions. Il y a des pistes de solutions qui sont intelligentes. Il faut étendre les aires de protection, car dans les aires de protection, la biodiversité est mieux protégée qu'en dehors. Et c'est le message de Marseille. Nous avons besoin du 30% d'air protégé, de zones protégées terrestres et maritimes. Sinon, l'on ne saura pas stabiliser les climats. Voilà la tâche gigantesque pour l'avenir. Donc, où peut-on créer ces zones protégées? C'est une triple crise, changement de climatique, perte de biodiversité et les pandémies. Et en Afrique, en plus, la question de l'eau. Le cycle de l'eau est également important. Prenez les montagnes en Éthiopie où il y a 12 millions de personnes qui dépendent de l'existence de la forêt. Sinon, il y aura des inondations qui menacent ces personnes dans leur survie. Il faut trouver des financements pour ces aires protégées. Et vous avez cité une notion clé, un mécanisme de financement innovateur créé en Allemagne qui sera une fondation internationale, l'instrument du Legacy Landscape, un instrument qui veut financer durablement les aires protégées, à tout jamais, car il n'y a pas de demi-temps pour les parcs naturels. Yellowstone n'a pas été créé pour fermer en 1915, mais c'est destiné à l'éternité. Alors, il faut un instrument de financement pérenne, un instrument qui veut mettre à disposition $1 million par an par aire de protection. C'est donc un partenariat public-privé avec les ONG sur place, avec le Wildlife Conservation Society, Nature Conservancy, WWF et autres. Voilà, c'est une approche tout à fait intéressante.
Donc, il faut se départir de deux mythes. Le premier mythe, c'est que les aires protégées sont dirigées contre développement, mais ce n'est pas vrai. C'est vrai pour le développement qu'on connaissait dans les pays du Nord et à l'Est, un développement qui n'est pas durable. Le continent africain ne peut pas entamer l'avenir par cet modèle de développement. D'ici 2050, on aura 1 milliard de personnes de plus à nourrir et des centaines de milliers de plus en Afrique. Alors, il faut un développement durable, des aires protégées, la protection de la nature qui sont à la base du développement. Et le dernier mythe, c'est que le conflit entre aires protégées et les populations autochtones, là aussi, c'est un mythe. Les aires protégées sont créées pour les populations sur place qui peuvent y vivre et qui peuvent vivre dans ces aires protégées. Donc, il nous faut de bons partenariats, de forts partenariats pour sortir de cette situation dramatique dans laquelle nous sommes. Merci donc pour cette discussion. Donc, nous avons entendu vraiment un grand nombre d'informations très intéressantes. Donc, et donc, je vous remercie également les spectateurs. Je voudrais regarder tout de suite leurs questions. Et, mais s'il y a aussi des questions ici, bien sûr, là, je vois les mains. Donc, il y a des micros. Donc de ce côté, par exemple... Vous pouvez donc vous rendre là-bas. Donc, voilà, vous pouvez utiliser ce micro. Et donc, je vais regarder sur Internet. Madame la ministre, la première question des États-Unis. Merci pour votre question. Bien que Ecuador... a pu réduire nettement la destruction des forêts. La destruction de l'Amazon continue de poursuivre. Et comment peut-on donc les protéger et quels sont le soutien dont vous avez besoin de la part de la communauté internationale? Merci de répondre concrètement. Merci pour cette question. Oui, bien sûr, nous avons décidé d'avoir une approche de transition écologique car nous sommes encore basés sur le pétrole et également basés sur les minerais. Donc, il nous faut des options attrayantes. Nous sommes vraiment en train d'avancer le plus rapidement possible. Car nous voulons une économie de la préservation. Nous avons un avantage compétitif, mais pour disposer d'un fair deal, nous avons besoin de reconnaître qu'il ne s'agit pas seulement d'un défi du changement climatique, mais également qui concerne la pauvreté. Nous devons comprendre... Mais je pense donc que ceci concerne le monde entier. Il faut des options attrayantes et une approche de long terme pour nos communautés. Au sein, par exemple, de l'Amazon et nos communautés autochtones, ça si, concerne, par exemple, le renforcement des capacités. Mais bien sûr... Nous devons parler d'inclusion, d'égalité. Nous devons soutenir réellement la production dans nos chaînes d'approvisionnement. Nous devons mettre en place la nouvelle normalité et donc créer une puissance sur le marché. Je pense que nous allons essayer de rassembler les questions. Donc, tout d'abord,
Je vais donc tout d'abord vous présenter la question très concrète. Je suis l'ambassadeur ici en Allemagne. Nous faisons partie de la partenariat de FLECT. Je pourrais parler donc de l'égalité et également du côté côté équitable. Donc la question est adressée à M. Rogan et M. White. L'Union européenne ainsi que d'autres pays avec la Chine, il y a 9 milliards, avec les États-Unis, 8 milliards. Donc, je pense que les chiffres sont très parlants lorsque nous parlons d'équité. Dans le contrat FLECT, il y a un chapitre qui concerne donc les incitations sur le marché. Donc, nos approches FLEC devraient être incluses dans la politique de l'Union européenne. J'ai fait de mon mieux, j'ai écrit des courriers à des institutions allemandes. Et on m'a répondu, je ne sais pas ce qu'est FLEC, je ne sais pas ce que sont ces contrats, donc je ne sais pas comment pouvoir m'investir dans la politique allemande. Et troisième question. Tous les collègues des ONG me disent que l'Union européenne va mettre un terme en décembre le programme FLECT. Donc, je suis très préoccupée que les négociations donc, dans le domaine de FLECT sont très compliquées. Donc, je cherche un conseil. Donc, qu'est-ce que je peux faire en tant que pays de FLECT? Donc, est-ce que nous devons continuer à poursuivre nos négociations avec l'Union européenne ou alors aller devant la Cour européenne? Donc, si le système FLECT va arriver à terme, que va faire le Gabon, par exemple? J'aurais voulu entendre votre conseil. Donc, je vais écouter très rapidement la prochaine question. Et une question, s'il vous plaît. Je suis la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, de la République du Congo. J'aimerais également, peut-être d'entrée de jeu, féliciter le gouvernement fédéral allemand pour cette belle initiative qui nous permet de parler des forêts, des tourbières également, non seulement tropicales, mais je parlerai précisément du bassin du Congo dans le cadre des changements climatiques en Afrique et dans le monde, à la veille donc de la COP 15 de la biodiversité et de la COP 26 à Glasgow. J'aimerais peut-être revenir sur un aspect. Peut-être vous rappeler qu'il aura fallu des millénaires pour créer les forêts et les tourbières d'Afrique centrale. Mais seuls 100 ans suffiront à les anéantir, selon les experts du GIEC, si nous n'interrompons pas le processus pratiquement de destruction qui est en train d'être engagé. Et la population en Afrique, devant atteindre 2 milliards, dans moins de 37 ans, et dans 86 ans, 3 naissances sur 4 se produiront sur le continent africain. Donc, nous sommes plus que jamais concernés. J'ai vu également, j'ai vu également la présentation du professeur Matt, qui, dans sa récente publication, affirme que les forêts tropicales séquestrent encore du carbone et au Congo, il ne resterait plus que 20% d'après sa présentation. La question que j'aimerais peut-être lui poser, c'est qu'est-ce que pouvons-nous faire pour conserver concrètement ce qui nous reste. Concrètement. Et l'une des autres questions que j'aimerais poser également, la première cause de la perte de cette identité, cela a été repris énormément également ici par les panélistes, et l'agriculture, l'un des objectifs des ODD, le point 1,
pauvreté zéro. Mais comment concilier, parce qu'il nous faut bien aller au développement, cette lutte contre la pauvreté est préservée pour le reste de l'humanité, nos forêts et nos tourbières en Afrique centrale. Je pense que la position sur laquelle s'aligne le Gabon, nous sommes tous pratiquement en train d'y aller, que ça soit ce que nous proposent nos amis de la Chine avec l'éco-civilisation, nos amis de l'Allemagne avec le facilitateur, avec un deal équitable. J'aimerais peut-être terminer par cette dernière question, si vous permettez. Les enjeux sont colossaux pour nos pays. Alors concrètement, la deuxième question, s'il vous plaît. Est-ce que vous disposez, c'est la troisième, est-ce que vous disposez des données, que j'interroge toujours le professeur Matt, est-ce qu'il dispose des données qui indiquent que dans la grande zone de la tourbière intacte du bassin du Congo, qui représente 31%, 31 milliards de tonnes de carbone séquestré, soit l'équivalent de 4 années d'émissions de gaz à effet de serre de la planète, a-t-il quelques données là-dessus et où qui existent des signes de dégradation qui seraient évidentes dans les deux Congos? J'aimerais peut-être qu'on nous y réponde, qu'on réponde là-dessus, ce qui vous permettra de comprendre pourquoi nous avons hâte d'arriver à Glasgow et hâte qu'il y ait réellement des résultats concrets en termes de mobilisation financière, parce que nous ne pouvons pas, l'Afrique ne peut pas continuer le bassin du Congo à gérer pratiquement la régulation aujourd'hui du monde, de préserver l'humanité et ne rien avoir en retour en termes de compensation. Merci. Avec merci. Le temps, merci beaucoup. Merci. Die Zahlen an Professor Hansen. Les chiffres. Donc, en ce qui concerne le professeur Hansen, je pense qu'il faudrait peut-être plutôt avoir des échanges bilatéraux, car je pense que nous n'allons pas réussir à les clarifier ici et maintenant. Une question vraiment très concrète, s'il vous plaît. Je suis Christoph Heinrich de WWF Allemagne. Une remarque et une question très concrète. Notre gouvernement fédéral allemand et également d'autres gouvernements, s'ils écoutent, je tiens à les encourager à faire des efforts massifs. Et je veux rappeler notre pays ce qui s'est passé. Nous avons eu un phénomène météorologique local ici avec donc des dommages qui sont très élevés. Donc, n'investissons pas donc dans des mesures de prévention et ensuite nous devons payer pour les dégâts qui sont et par exemple nous voulons donc arrêter le charbon. Donc qu'allons-nous faire lorsque les dommages vont être encore plus importants? Donc, il faut vraiment un accord qui soit vraiment équitable. Et qu'allons-nous faire avec l'utilisation durable? Nous ne pouvons pas tout protéger. Donc, ma question aux deux ministres, ministres de l'Équateur et du Gabon. Donc, que voulez-vous faire dans le développement durable pour vos forêts? Donc, il faut vraiment également veiller à la faune sauvage. Il faut en parler. Donc, nous devons parler de la valorisation des forêts. Nous avons besoin également des choses qui soient faites au-delà des aires protégées. Merci pour votre question. Donc, je vais conclure. Nous allons commencer avec Madame Rogan. Donc, nous avons parlé donc du commerce avec l'Union européenne. Donc, il y avait une question donc très concrète qui concerne le programme FLEC. Que devons-nous faire si nous voulons continuer à négocier avec l'Union européenne? Donc, quelle est votre appréciation en ce qui concerne cette question? Je suis une représentante du Royaume-Uni.
Et donc, je vais également préparer la COP. Donc, ce n'est peut-être pas mon rôle de parler de l'Union européenne, mais du point de vue politique, je veux dire qu'après le Brexit, donc, nous avons adopté notre législation en ce qui concerne les principes de la protection de la forêt et pour un commerce donc équitable. Donc, nous voulons faire en sorte qu'il y ait des produits vraiment qui soient commerciaux, qui soient équitables. Donc, nous devons vraiment parler avec les produits producteurs et les produits consommateurs. Donc, nous avons une législation environnementale donc, qui pourrait être comme une chaîne d'approvisionnement écologique. Donc, comment est-ce que nous allons pouvoir le mettre en œuvre? Il ne devrait pas y avoir des conséquences inattendues de cette législation. Je pense que lorsque nous avons ce débat dans le partenariat, alors nous pouvons parler de ce thème et un autre point. En 2015, il n'y a pas seulement eu la signature de l'accord de Paris, également, c'était l'année de l'accord qui concerne les objectifs climatiques mondiaux. Donc, il s'agit des communautés, mais également de pays et de régions entières. Donc, nous avons nos scénarios dans lesquels le climat joue un rôle important. C'est ce que nous voyons également dans les programmes gouvernementaux. Donc, le développement durable et le climat sont les thèmes qui peuvent nous aider à avancer sur un pied d'égalité. En même temps, nous avons la possibilité de voir la façon dont sont organisés les financements. Donc, ce qui concerne le financement pour le climat, le financement pour la reprise après la pandémie de COVID, on pourrait penser que ces thèmes ne sont pas liés, mais ils sont interconnectés. Donc, il faut des investissements privés, donc, et élaborer une approche holistique. Nous devons également permettre l'accès à l'énergie, au développement économique et social pour aider les communautés à continuer à se développer de manière durable et à utiliser leurs ressources de manière durable. Les deux autres questions s'adressent à Madame Dagger et Monsieur White. Donc, la question de la ministre, la lutte contre la pauvreté et le développement, vous avez également évoqué cet aspect, c'est une de vos priorités. Donc, vous savez ce que vous voulez faire, mais la mise en œuvre, c'est autre chose. Et alors, dans ce contexte, comment faire pour arriver à une utilisation durable des terres? Est-ce la clé du succès? Comment trouver un équilibre? Alors, quelle a été votre expérience concrètement? Merci pour cette question. C'est effectivement un très grand défi pour notre pays. Il faut réunir plusieurs choses et le Fair Deal prévoit également un marché équitable du carbone. Lorsqu'on se penche sur la question des forêts tropicales, il faut en même temps parler de l'eau et de la valeur de la diversité biologique. Il faut parler des services écosystémiques. Il faut comprendre quels sont les services qui sont rendus par la nature. 5 dollars par hectare, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas équitable. J'estime beaucoup
la gentillesse et l'honnêteté dont on parle de ces sujets d'avenir, car nous sommes tributaires les uns des autres. Vous m'avez posé une question qui concerne nos programmes d'utilisation durable des forêts, programmes qui existent déjà, et ces programmes, disons, sans ces programmes, il serait impossible de discuter de la protection des forêts tropicales. Il faut donc utiliser ce potentiel d'une utilisation, d'une gestion durable de nos forêts. Et nous avons un souci, c'est d'avoir des chaînes d'approvisionnement saines et fortes pour les différents produits, où nous sommes les meilleurs fournisseurs. Et à côté du commerce, il faut regarder les marchés. C'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Il faut faire un retournement. Il faut passer à une nouvelle réalité. Bien sûr, nous souhaitons avoir plus de financement pour les produits zéro déforestation, les produits durables, les produits issus d'un commerce équitable. Bien sûr. Mais qu'en est-il des pays qui n'ont pas cette source de revenus? Pour eux aussi, il faut prévoir des possibilités d'acheter ces produits. Il nous faut une nouvelle normalité. Donc, il faut taxer les produits à travers la chaîne d'approvisionnement pour stopper la déforestation. Il faut donc financer la lutte contre la déforestation. Merci. Si on avait plus de temps, Monsieur Chali, je parlerai avec vous de la politique commerciale, mais il faut le faire en pause café tout à l'heure. Merci d'avoir évoqué l'idée de la politique commerciale. Je m'adresse maintenant à Monsieur le professeur Lee White. Une question s'est adressée à vous concernant l'inclusion des populations autochtones et des communautés locales et, comme vous l'avez dit, la Suisse ne serait pas prête à renoncer au chocolat. Alors, quand on parle des forêts et de la foresterie, comment créer une gestion inclusive et durable des forêts? Quel est donc le chemin qui nous y mène avec toutes les différentes facettes que nous avons évoquées aujourd'hui? Okay, thank you. I think I can reply to the question. Je vais répondre à la question de l'Indonésie. Le Gabon investit beaucoup dans une économie durable. Et c'est vrai surtout pour nos forêts. Nous avons créé un système de traçabilité au niveau national qui nous permet de prouver que les produits ligneux de notre pays sont positifs en termes de CO2. Et c'est également quelque chose de bien pour la biodiversité. Les produits forestiers doivent refléter la responsabilité sociale. Au Gabon, nous avons moins la question des populations autochtones, mais les communautés Pikpantou, ce sont des autochtones. Mais les personnes qui vivent en forêt, en général, leur intérêt, il faut plus en tenir compte. Nous avons adhéré à la coalition d'ambition élevée. Nous voulons protéger 30% des surfaces terrestres et maritimes et en eau douce, et des progrès ont déjà été obtenus. Ce n'est pas seulement vrai pour le climat, mais c'est vrai pour la biodiversité et pour le capital humain. Nous voulons donc montrer que notre gestion forestière est responsable. Si nos produits, on ne pouvait plus les vendre, il y a des lobbies qui sont
contre le bois tropical. On l'a vu chez les Jeux olympiques qui auront lieu en 2024 à Paris. Mais alors, à ce moment-là, comment protéger nos forêts si on ne trouvait plus de débouchés? Alors, quelle est l'utilisation des terres qui nous est proposée si les forêts ne peuvent pas être utilisées à cette fin et profiter aux gens qui habitent cette région, le bassin du Congo? Il faut vraiment se regarder dans les yeux les uns les autres. Maintenant, c'est possible parce que nous sommes tous présents ici pour trouver des mesures équitables sur un pied d'égalité. Malheureusement, nous devons venir à la fin de cette discussion. On pourrait évoquer beaucoup plus d'aspects, mais c'est seulement le point de départ dans la perspective des réunions COP. Donc, je vous prie de bien vouloir applaudir les panélistes de ce volet. Merci à vous tous. Merci d'être venus. Merci d'avoir discuté avec nous. Merci au professeur Lee White, ministre de l'eau, des forêts et de l'environnement. Madame Daga, la vice-ministre de l'environnement de l'Équateur. Janet Rogan, ambassadrice régionale pour la COP26. Shemzat Sadkourou, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On aurait pu approfondir davantage la question du commerce et des chaînes d'approvisionnement. Il reste beaucoup de questions qui sont toujours en suspens. Monsieur Shen Yong, Monsieur Chali, merci. Merci à Hannah Movat du FERN à Bruxelles, une ONG critique. Merci à vous également et merci en fin de compte à Christoph Schenk, le directeur général de la Société zoologique de Francfort. Donc, merci à vous tous. Merci également à vous, mesdames et messieurs les spectateurs, spectatrices ou bien présents en salle. Je suis très curieuse d'avoir la réaction des médias sociaux. Donc, veuillez bien les utiliser en envoyant des photos et en partageant nos idées. Et maintenant, sur scène, nous allons continuer notre discussion. Nous avons déjà parlé avec les ministères fédéraux en Allemagne. Nous avons parlé du Fair Deal, d'un calendrier et de son contenu, car nous tous voulons participer à la protection des forêts tropicales. C'est notre objectif que nous avons en commun, malgré les divergences qui pourraient subsister. Hier, donc, nous avons eu la signature de la déclaration du Fair Deal par une dizaine de ministres de l'Afrique centrale qui, ensemble, ont dit vouloir un pas supplémentaire aller de l'avant. Ce n'est pas seulement un document avec de l'encre en bas, mais c'est le résultat d'un travail énormément intense avec une multitude d'acteurs de la société civile, des gouvernements, de la science, etc. Et maintenant, donc, merci pour les questions que vous avez posées et venons-en au volet de haut niveau, car une question qui reste, c'est de savoir comment trouver une ligne commune des pays bailleurs. Car parfois, ce sont des idées qui se chevauchent. Il y a une multitude de structures, de fonds, de projets, d'initiatives. Monsieur Schenk a également présenté un nouveau projet, une nouvelle initiative. Alors, comment réunir tout cela pour trouver une ligne commune? Et je salue maintenant sur scène des représentants de la Norvège, des États-Unis et de la France.
Donc, Monsieur Hans Bratska de la Norvège, envoyé spécial pour le climat, Philippe Lacoste de la France et Madame la docteure Diana Putman des États-Unis. Soyez tous les bienvenus. Veuillez me joindre ici sur cette scène. Merci et bienvenue à Monsieur Bratska, Monsieur Lacoste et Madame Putman. Merci à vous d'être venus. Nous avons déjà beaucoup discuté, beaucoup d'idées ont été évoquées. Malheureusement, parfois, ce n'est pas possible de vraiment les approfondir. Je salue donc M. Hans Bratska de la Norvège, Philippe Lacoste de la France et Mme la docteure Diana Putman des États-Unis. Donc, on veut parler d'une ligne commune à adopter. Je commencerai par vous, Monsieur Lacoste. Où sont donc les choses que vous avez en commun, les lignes communes lorsqu'on parle de réunir les forces pour avoir une approche commune? Monsieur Lacoste, vous avez la parole. Merci, merci Madame. Je crois que les objectifs, on l'a vu aujourd'hui, sont globalement partagés. Tout le monde comprend l'intérêt commun de sauvegarder ces massifs forestiers tropicaux. Après, ce qu'il faut, c'est effectivement mieux travailler ensemble. Il y a déjà de nombreuses initiatives qui existent, notamment sur le bassin du Congo, mais pas uniquement, et travailler à ce que, je dirais, cet effort soit commun. Moi, je suis assez encouragé. Alors, c'est mon rôle, vous allez dire. Mais nous avons réellement, il y a quelques semaines, passé une loi sur la solidarité internationale au Parlement français. Et je dois dire qu'après l'épisode des Gilets jaunes, le Covid, j'étais assez inquiet de la manière dont ça allait se passer. Eh bien, ça s'est très bien passé au Parlement. La loi a été adoptée à l'unanimité, exprimant, je crois, la conscience qu'il s'agit d'un problème ou deux problèmes globaux qui ne peuvent être traités que de manière globale et que donc les pays, chacun en fonction de leur responsabilité historique et de leurs moyens, doivent contribuer à cet effort en utilisant divers instruments. Voilà ce que je peux vous dire. Je m'en tiens là. Merci bien pour le moment. Merci. Merci beaucoup. La France a donc bien parlé d'une belle voix. Je m'adresse maintenant à la Norvège. Quelle est, de votre point de vue, l'architecture des pays donateurs? Est-ce qu'il y a des bases solides ou est-ce qu'il y a des problèmes? Quelles sont pour vous les priorités? Merci beaucoup de la question. Ça fait plus de 10 ans que je creuse ce sujet et je crois que nous avons déjà obtenu pas mal de résultats. Mais les défis restent énormes. Tout d'abord, il faut essayer de savoir quels sont vraiment les défis les plus importants qu'il faut attaquer ensemble. Beaucoup de spectateurs, spectatrices qui nous sont connectés ont réagi, ont dit que les forêts tropicales représentent plus de la moitié des espèces connues de ce monde. C'est donc important pour les populations autochtones et c'est un réservoir important d'eau potable. Et en plus, il ne faut jamais oublier que l'Amazonie et les forêts amazoniennes sont importants pour créer des puits pour le Food Belt au milieu des États-Unis et le bassin du Congo et les forêts du bassin du Congo sont donc responsables des puits pour des larges parties en Afrique et surtout pour le Sahel. Nous connaissons les menaces et les dangers. Et bien sûr, on ne saura résoudre la crise climatique sans parler des forêts. On ne peut pas réaliser les objectifs de l'accord de Paris sans enrayer la déforestation. Alors,
pourquoi la Norvège s'engage tellement pour la préservation des forêts tropicales. En 2008, l'ancien premier ministre avait décidé de lancer une initiative pour la protection internationale du climat et des forêts. C'est une initiative qui a été dotée de 3 milliards de dollars, 3 milliards de dollars qui ont été investis, 10 % de notre budget. Et c'est un effort qui sera continué jusqu'en 2030 et élargi jusqu'en 2030. C'est donc un effort de longue haleine. Nous travaillons dans plus de 70 pays et nous aidons ces pays. Et ce sont des partenariats basés sur des résultats. Je voudrais également parler d'une autre initiative, LEAVE, une initiative commune des États-Unis, du Royaume-Uni et un certain nombre d'entreprises privées. Les géants de la technologie ont également participé, donc une coopération entre gouvernement et secteur privé. Et dès cette année, 1 milliard de dollars seront mobilisés dès cette année pour récompenser les pays qui réduisent dans les 5 ans à venir les taux de déforestation. Ce sont donc des synergies que nous voulons créer, des complémentarités que l'on veut trouver. Et nous participons également aux plateformes de coordination qui existent, qui ont été évoquées hier pour le bassin du Congo. Il y a la CAFI, l'initiative pour les forêts de l'Afrique centrale, avec 7 bailleurs et 6 pays participants. Madame Putman, je m'adresse à vous, car les États-Unis sont de retour pour également dans la préservation des forêts humides, des forêts tropicales. Quelles sont vos priorités pour vous maintenant que vous êtes de retour? Quelles sont vos priorités? Quelles sont vos idées principales? Merci. Je tiens tout d'abord à remercier le gouvernement fédéral et le ministre Müller de nous avoir invités. Nous sommes de retour, mais on n'était pas vraiment partis quand même. Pour moi, ça fait très, très longtemps que je travaille pour la coopération économique et pour le développement. J'ai grandi en Afrique et nous avons toujours continué à travailler en faveur de nos priorités et au cours des dernières années, nous avons quand même poursuivi nos activités. Et le président Biden, il a dit très clairement, le monde a un défi à relever, c'est le changement climatique. Et du côté des États-Unis, nous voulons lancer des initiatives pour la réduction des émissions CO2 et nous voulons proposer davantage de financement climatique. D'ici 2024, nous voulons doubler les financements climatiques pour les pays en développement. Je travaille donc pour l'autorité chargée du développement aux États-Unis, USAID. Nous sommes également actifs dans les forêts tropicales. C'est vrai aussi pour le bassin du Congo. J'y ai vécu 5 années. J'étais donc directrice de mission pour USAID. Je connais la situation sur place par mon propre expérience. J'ai une coopération étroite avec la Norvège, avec l'Allemagne et la France. Je connais tous ces sujets. Donc, on n'était pas partis. On a toujours continué à lutter pour la préservation des forêts tropicales. Nous avons donc dépensé 230 milliards de dollars pour les mesures de protection des forêts en 2020. Je ne parle pas du gouvernement fédéral, mais de mon autorité USAID. Et il s'agit bien sûr aussi d'améliorer la gestion des forêts. 62 millions d'hectares de forêts ont bénéficié de notre soutien.
Nous avons une politique ambitionnée en matière de protection du climat. Notre stratégie est ambitieuse. Elle sera présentée lors de la COP26. C'est bien sûr un effort interministériel, donc au-delà des différents ministères et autorités. On la présentera lors de la COP26. Il y a une coopération étroite avec une multitude d'acteurs. Parfois, ce n'est pas officialisé. On n'est pas toujours membre officiel des mécanismes multilatéraux, ceci pour des raisons politiques, mais notre engagement est intense dans la coordination entre donateurs. Et l'IVE, c'est un très bon exemple qui a été évoqué. Un tout dernier détail, est-ce que vous pourriez dévoiler déjà aujourd'hui ce que sera votre priorité pour la COP26? Je crois que c'est vrai aussi pour d'autres pays bailleurs. Je ne peux pas anticiper, je ne peux pas faire d'annonce anticipée. Il faut que je sois prudente, mais les contacts sont étroits avec les autres donateurs et nous allons certainement augmenter nos investissements, c'est vrai aux États-Unis. Donc, investissements pour réduire les émissions de CO2 aux États-Unis, dans le monde entier. Et nous voulons essayer de voir comment améliorer encore davantage l'efficacité de notre coopération. Le changement climatique, c'est un sujet multisectoriel qui englobe beaucoup d'aspects. Lorsqu'on parle du financement, on investit beaucoup dans l'agriculture durable, dans les énergies propres, dans l'eau propre. Et une autre priorité, c'est la coopération avec le secteur privé, avec les ONG. Pour avoir des approches plus équitables au service des groupes autochtones. Donc, nous parlons toujours beaucoup, mais il y a aussi les attentes. Donc, il y a de grandes promesses et des attentes, et peut-être trop peu de fonds financiers pour la protection des forêts. Donc, il faudrait peut-être améliorer cette volonté politique. En Norvège, où est-ce que vous pensez que nous pouvons donc surmonter donc ces déficits qui existent dans la gestion? Et ensuite, la question également s'adressera à Monsieur Lacoste. Oui, bien sûr, c'est un thème très important. Nous avons des grands programmes, mais nous ne pouvons pas être actifs partout. Nous travaillons en partenariat avec d'autres donateurs, avec les pays forestiers également. Donc, le dialogue politique a été modifié au cours des dernières années. Nous devons trouver des solutions et je suis très heureux de pouvoir coopérer avec d'autres collègues présents ici aujourd'hui. Nous devons faire de plus en plus de choses en tant que donateurs, c'est clair. D'ici 2030, nous voulons accroître les fonds que nous allouons et les fonds alloués au développement ont déjà connu une bonne croissance. Nous voulons donc poursuivre sur cette voie, mais nous devons également faire impliquer le secteur privé. Donc l'initiative LEAF, bien entendu, est un bon exemple en la matière. Le secteur public ne peut pas tout gérer, donc les entreprises privées doivent être impliquées. Et je pense donc qu'il s'agit d'une bonne initiative. Et également, les fonds des pays eux-mêmes sont importants. Il faut donc accroître leurs ressources propres. Nous devrions
ne pas oublier que dans nos objectifs pour le millénaire, 80% des fonds doivent venir des contributions propres. Donc, il faut améliorer la fiscalité. Il faut les aider dans la matière. Donc, les ressources propres des pays sont vraiment à l'origine de la grande majorité des fonds, 80%. Monsieur Lacoste, comment est-ce que vous pourrez répondre à cette question qui concerne donc les attentes qui sont des fois très éloignées les unes des autres? Je dirais que c'est le métier d'un diplomate d'essayer de rapprocher les points de vue. Je partage ce qui vient d'être dit par mon collègue norvégien sans surprise. Les ressources financières sont insuffisantes. Et donc, les pays qu'on appelait à un moment développés doivent accroître ces ressources, soit dans des initiatives directes, soit à travers des partenariats internationaux. C'est ce que la France essaye de faire à sa mesure, par exemple en accroissant sa contribution à l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale ou au Fonds vert pour le climat, parce que ces grands instruments internationaux, ils peuvent aussi s'appliquer pour la question des forêts. Cependant, ce que je voudrais dire, c'est que les moyens financiers ne sont pas tout. Et je pense que c'est important également aussi pour les contributeurs de connaître l'efficacité de ces programmes et un suivi scientifique. Donc moi, j'ai été très intéressé par la première présentation de voir finalement comment mesurer les impacts, les progrès réalisés et les besoins qui restent à fournir. Donc, et de cette manière, je pense que les attentes et les ressources disponibles pourront être rapprochées. Merci, merci, Monsieur Lacoste. Ich bedanke mich ganz herzlich in dieser Runde. Ich bedanke mich bei Dr. Hans Praska, Klima. Merci. Je tiens à remercier donc les personnes présentes ici, le représentant de la Norvège, le représentant de la France et des États-Unis. Chers spectateurs, je tiens également de saluer la présence du ministre de la du développement et Monsieur Doré. Nous allons commencer avec Monsieur Doré. Je tiens à vous donner la parole. Venez sur scène, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Merci. Bonjour. Monsieur le ministre fédéral de la coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne, mesdames et messieurs les ministres, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, monsieur le facilitateur du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, monsieur le secrétaire exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et sous-régionales, mesdames et messieurs les membres du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, distingués invités, en vos titres et rangs respectifs, mesdames et messieurs, il m'est agréable de prendre la parole à la cérémonie du symposium sur les forêts tropicales en ma qualité de président en exercice du Conseil des ministres de la COMIFAC. Comme vous le savez, la COMIFAC est une organisation intergouvernementale de référence en matière d'harmonisation et de suivi de la mise en œuvre des politiques forestières et environnementales en Afrique centrale. Elle est née de la volonté des chefs d'État d'Afrique centrale en mars 1999 à travers la déclaration dite « déclaration de Yaoundé ». L'objectif est d'œuvrer de manière concertée à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes
forestiers d'Afrique centrale. Aujourd'hui, cette organisation bénéficie du statut d'institution spécialisée de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC. Elle compte 10 États. À ce stade de mon propos, et qu'il me soit permis de remercier la République fédérale d'Allemagne en sa qualité de facilitateur pour le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, pour l'organisation réussie de ce symposium. Cet acte représente pour nous la reconnaissance par l'Allemagne de l'importance des forêts tropicales pour l'humanité tout entière. Les forêts du bassin du Congo, dont la superficie estimée à 300 millions d'hectares, ont un rôle de stockage du carbone essentiel dans un contexte de réchauffement climatique. Les récentes estimations des chercheurs du Global Forest Watch font état de ce que ces forêts sont l'une des plus denses et riches au monde en termes de biodiversité et qui séquestrent encore 600 millions de tonnes de CO2, plus qu'elles n'en émettent par an. Leur moyenne d'émission stagne à 530 millions de tonnes. La moyenne d'absorption atteint 1,1 milliard de tonnes de carbone. Aussi, je vais ajouter, des tourbières d'une capacité de séquestration de 31 milliards de tonnes de carbone viennent d'y être découvertes. Mais l'espace Comifac, ce n'est pas seulement les forêts. C'est aussi 206 aires protégées, toutes catégories confondues, occupant environ 799 000 km², soit 14,8% des terres et 5% de la zone économique exclusive marine des pays d'Afrique centrale. Les aires protégées sous statut international occupent plus de 600 000 km², soit 11,2% des terres de la sous-région. On y dénombre 13 aires protégées classées patrimoine mondial, 51 sites Ramsar et 13 réserves de biosphère. Tout cela, mesdames et messieurs, traduit l'engagement de nos gouvernements, de nos États pour la conservation de la biodiversité et la réalisation des objectifs d'Aichi. À ce jour, l'Afrique centrale enregistre environ 24 millions d'hectares de forêts aménagées, dont 5,3 millions certifiés suivant des standards de gestion responsable. Plusieurs programmes de restauration des zones dégradées sont actuellement en cours dans le cadre d'implémentation de l'AFR 100 ou encore le Bonn Challenge, le défi de Bonn. J'ai aussi le plaisir de vous informer que la zone, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, plus la RDC, a prévu d'interdire à partir de janvier 2023 l'exportation des bois sous forme de grumes. Le bois des pays d'Afrique centrale sera désormais transformé sur place. Et cela devrait permettre de garantir une production continue, la création d'emplois et par conséquent l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est le lieu pour moi de réitérer ma profonde gratitude à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cette mission essentielle de la conservation et de la gestion durable du second poumon vert de notre monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, les pays de la Comifac font face à de nombreux défis pour la conservation et la gestion de ce patrimoine. On peut citer le braconnage de plus en plus organisé, de plus en plus professionnel, avec le recours à des armes de guerre. On peut citer l'expansion de l'agriculture itinérante sur brûlis, la transhumance non contrôlée, l'exploitation illégale des forêts, les conflits d'utilisation des terres, les effets négatifs du changement climatique, les zoonoses, ces maladies transmises des animaux aux hommes, la possibilité de se voir imposer incidemment de nouvelles barrières commerciales non tarifaires. On a évoqué tantôt le rejet des bois tropicaux pour la construction des stades et infrastructures des Jeux olympiques en France en 2024. C'est un sujet qui est important. On peut citer les troubles politiques survenus dans plusieurs pays de la sous-région, entraînant des déplacements massifs de populations, déplacés internes et réfugiés, avec pour conséquence une consommation plus accentuée des ressources naturelles.
Aussi, il apparaît qu'aujourd'hui, des changements sont nécessaires dans les pratiques afin de renforcer le rôle essentiel que jouent les forêts pour une véritable contribution à une diversification économique en Afrique centrale. On devrait imaginer des synergies constructives pour ne pas totalement annihiler, verrouiller les systèmes de conversion des forêts quand ils sont soutenus par de grands projets agricoles et miniers, parfois complémentaires de notre système de production des biens et services. En tenant compte de ce que l'arbre est un être qui naît, qui grandit et qui meurt. En réalité, il est question de trouver le meilleur moment de sa valorisation. La question lancinante de la question de la compensation attendue par les pays de la Comifac, cette question demeure. Les solutions apportées ne nous semblent pas appropriées. Combien de fois des résolutions ont-elles été prises à l'issue des sommets sur le climat, promettant le relèvement des financements en direction de nos pays, avec cependant des mécanismes d'accès lourds et complexes. Sur un autre plan, 1% seulement de la finance climatique va vers l'espace Comifac. Et cela est en deçà de nos attentes au regard des efforts demandés. Je voudrais vous annoncer qu'en prélude du symposium international sur les forêts tropicales, les États membres de la Comifac ont pris leurs responsabilités. Ces États ont réitéré leur engagement à œuvrer de manière concertée pour la conservation et la gestion durable des forêts d'Afrique centrale à travers une importante déclaration. En rapport avec cette déclaration, les pays d'Afrique centrale, les pays du bassin du Congo, s'engagent entre autres à maintenir et renforcer notre implication active dans la gouvernance climatique globale. Ils s'engagent à maîtriser les émissions de CO2, à gérer durablement les tourbières du bassin du Congo, à poursuivre activement la restauration de paysages forestiers dans le cadre du défi de Bonn, à renforcer les agences nationales de gestion des aires protégées et le développement, selon les cas, de partenariats publics-privés ou de systèmes de cogestion, à maintenir et renforcer la coopération régionale et la coordination intersectorielle en matière de conservation de la biodiversité, notamment à travers la gestion des aires protégées, qu'elles soient nationales ou transfrontalières, et cela sans préjudice de la souveraineté des États, à améliorer la gouvernance forestière, à impliquer davantage la société civile, les communautés locales, les populations autochtones dans la gestion des ressources forestières et fauniques, à promouvoir davantage des économies vertes par l'adoption de politiques publiques garantes du développement durable. Les forêts d'Afrique centrale remplissent des fonctions sociales, culturelles, économiques essentielles, au point où leur altération et a fortiori leur disparition entraîneraient des conséquences sur la qualité de vie des populations au niveau local, régional, mondial, national. Elle constitue un capital naturel pour le développement socio-économique de nos pays. C'est pourquoi nous pensons que notre sous-région devrait bénéficier des appuis financiers équitables à hauteur de 30% minimum des fonds climat, contre 1%, je l'ai dit tantôt. Par ailleurs, nous sommes d'avis que l'accès au dit financement devrait être facilité par l'adoption de procédures adaptées aux réalités des pays du Sud. Nous sommes souvent surpris de constater que le Nord ne peut pas vouloir bénéficier d'un bien logé et hébergé dans les pays du Sud, mais c'est lui qui fixe les conditions d'accès. Aussi, la communauté internationale pourrait voir un certain nombre d'aspects évoluer favorablement, touchant notamment aux investissements étrangers innovants dans les industries fondées sur le développement durable, telles que l'énergie renouvelable, la transformation plus poussée du bois et des produits forestiers non ligneux et l'agriculture.
Un autre domaine, c'est une meilleure coordination et harmonisation des appuis financiers conformément aux dispositions de l'accord de Paris sur l'efficacité de l'aide, février 2005. Une meilleure prise en compte dans les relations économiques internationales des enjeux liés à la conservation. Un prix équitable pour nos crédits carbone. En termes de perspective, les pays membres de la Comifac demeurent solidaires et engagés pour renforcer le partenariat avec le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et en particulier le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, le ministère fédéral allemand de l'environnement, la banque de développement, la KfW, la GIZ, WWF Allemagne, afin de soutenir la mise en œuvre du plan de convergence de la Comifac pour un développement économique, social et équitable au profit des populations du bassin du Congo. Permettez-moi à cet égard, mesdames et messieurs, excellences, de réitérer toute la reconnaissance des pays membres de la Comifac au ministère fédéral allemand de la coopération pour les divers appuis multiformes à travers les coopérations bilatérales avec les États en faveur de la Comifac, et cela depuis des années. Comment ne pas rappeler ici l'accord de coopération signé le 15 juin 2020 entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et la Commission des foyers d'Afrique centrale. C'est le second accord du genre que signe l'Allemagne avec une organisation internationale après celui signé avec l'Union africaine. Excellences, mesdames et messieurs, à la Comifac, nous souhaitons que ce partenariat se renforce davantage de manière à faire face avec efficacité aux enjeux émergents qui pourraient fragiliser les efforts déjà consentis pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Nous voulons saisir cette occasion pour adresser nos vives et chaleureuses félicitations à l'honorable docteur Christian Rouck, facilitateur du partenariat pour les feuilles du bassin du Congo, pour toute l'énergie déployée pour se rendre régulièrement dans les pays membres de la Comifac, malgré les conditions difficiles liées à la pandémie du COVID-19, pour animer les discussions, les débats lors des sessions du partenariat, afin de faire converger les efforts pour une véritable conservation et une gestion durable de nos forêts. Je salue par ailleurs l'adhésion du Royaume de Suède au partenariat des forêts en tant que pays donateur. La Comifac, les ministres ici présents, espèrent avoir contribué au succès de notre symposium en faveur de la gestion durable des forêts tropicales. En félicitant de nouveau le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le ministre de la Coopération et du Développement, nous espérons que les messages envoyés depuis Berlin seront entendus dans tous les pays du Nord et que ces derniers suivront la trace, le sillage que vient de tracer la République fédérale d'Allemagne. Vive la coopération internationale, vive la Comifac, ses membres et ses chefs d'État. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur Douré. Et maintenant, je passe la parole au ministre fédéral de la coopération économique et du développement, Monsieur Muller, qui a dit « la forêt, c'est la vie, et la forêt tropicale, c'est la vie ». Donc, Monsieur Gert Müller, ministre fédéral de la coopération économique et du développement. Merci. C'est un enthousiasme que nous avons tous ressenti. Je vous remercie également, Madame Gallus, pour l'animation de cette discussion. Je ne sais pas qui parmi vous a déjà visité les forêts tropicales. Moi, j'ai visité l'Indonésie, le bassin du Congo et l'Amazonie. J'étais sur place et donc j'aime bien cette carte. Elle est impressionnante car cela représente le cœur et le poumon de notre planète. Madame la ministre, vous avez demandé hier soir si les décideurs climatiques du monde ont effectivement une idée ce que cela signifierait si ces forêts disparaissaient.
ce que cela signifierait pour la vie sur cette terre. Je crois les décideurs climatiques, certainement, les experts, oui, mais le monde politique ne l'a pas toujours compris. Et donc, ces symposiums ont leur rôle à jouer, car c'est un message qu'il faut transmettre, qui doit dépasser notre cercle pour être plus généralisé. Les forêts tropicales de la planète garantissent la survie du climat. Cela a été dit. Une des ministres africaines a parlé du cycle planétaire de l'eau, a parlé de la biodiversité, la richesse en espèces. Les forêts tropicales sont nécessaires à la survie de l'humanité, à la survie de notre planète. Les forêts tropicales garantissent notre avenir, peut-être pas le nôtre, mais celui des générations à venir. Donc, il faut avoir conscience d'un fait. Là, l'importance de non seulement des forêts tropicales, mais des forêts en général est essentielle. Un tiers de la surface terrestre est couvert de forêts. Je pense à la Russie. Dans ce contexte, le pays le plus riche en forêts du monde, 50% déjà, c'est le pays avec la plus grande surface du monde, dont 50% sont couverts de forêts, non pas tropicales, mais de la forêt tout court. Et ces grands pays doivent participer au nouveau deal, au nouvel accord forestier. Et c'est vrai aussi pour la Chine. Chers invités qui venez des zones tropicales du monde, il faut montrer du moins sur nous-mêmes, Européens. En Allemagne, les surfaces boisées augmente. Nous avons un concept de protection des forêts et une législation stricte, mais en Europe, en général, la forêt disparaît. Les surfaces boisées se réduisent. Donc, c'est également un problème chez nous. Les deux ministres de la forêt et de l'environnement du Congo m'ont demandé hier si tout le monde a vraiment compris ce qui se passe. Je pense que non. Mais je crois que notre symposium pourra être utilisé a posteriori pour véhiculer ce message, non seulement en perspective des COP, des conférences COP, mais en général en Europe. Et puis, hier soir, vous m'avez demandé pourquoi on avait attendu si longtemps pour entamer enfin ce sujet. Monsieur le ministre, pourquoi avons-nous attendu si longtemps ou même trop longtemps? Non, je crois que ce n'est pas le cas. Nous allons de l'avant maintenant et le sujet de la protection des forêts tropicales sera placé au cœur de l'agenda politique international. Donc, merci à vous tous qui vous êtes venus, qui avez fait des interventions très intéressantes. Merci à Christiane Rook. Je sais que c'est un sujet à vie, non seulement pour les deux dernières années depuis ta nomination en tant que facilitateur, mais pendant toute ta vie, tu as véhiculé ce sujet dans la politique allemande. Tu t'es engagé toujours pour la préservation des forêts tropicales. Je t'en remercie. Il vous racontera l'épisode clé de son enfance, mais même chez lui, c'est comme en zone tropicale, même en grande ville, il y a des serpents et d'autres animaux que l'on trouve chez lui. Alors, il faut placer ce sujet à l'agenda international dans la perspective de la COP 26 et la COP 15, et il faut donc adopter une nouvelle conception pour la protection des forêts humides. Les efforts du passé sont insuffisants. 3% des financements climatiques sont destinés
seulement à votre région et c'est trop bureaucratique. Le fonds de Cardiff et d'autres, c'est trop bureaucratique pour vos pays, pour gérer ces fonds chez vous. Vous avez fait des propositions précises que je ne vais pas répéter ici, mais qu'il s'agit maintenant de mettre en œuvre. Le monde doit comprendre l'importance des services écosystémiques qui sont rendus par les forêts. Je vois que le WWF est là, les services écosystémiques rendus par les forêts pour l'humanité, ces services ont une étiquette, un prix, et le prix doit être équitable. L'objectif est de 1,5% ou de 2%. Si on veut réaliser ces objectifs, il faut davantage protéger les forêts au niveau planétaire. L'objectif n'est pas réalisable par les mesures qui sont discutées actuellement. L'accord de Paris avec les objectifs de réduction. Jusqu'à maintenant, 6 ou 8 pays ont seulement réalisé ces objectifs. Nous sommes donc loin, très loin de la réalisation de l'objectif des 2 degrés. Mais il ne s'agit pas seulement de la question de la réduction, mais il faut également préserver la capacité d'absorption de la planète, donc de la forêt tropicale, des tourbières et des océans. Tout cela, c'est essentiel. Tout cela doit être placé au cœur de la discussion des conférences climatiques internationales. Ce sont des services naturels importants qui ont un prix. Hier, on a parlé des émissions négatives. Vos pays ont donc un fardeau à assumer, à savoir d'absorber le carbone émis par les pays industrialisés du monde. En Europe, nous sommes toujours entre 8 à 10 tonnes par habitant. En Chine, c'est une progression dynamique des budgets pour les années à venir. Et vous, vous êtes des émetteurs négatifs. Et cela, bien sûr, il faut l'honorer. Donc, il faut récompenser et honorer la gestion durable des forêts. Et je l'ai dit, lorsque j'ai visité la forêt tropicale de l'Afrique centrale avec Christiane Rock, j'ai eu des contacts directs avec la population locale. Madame la ministre, vous l'avez dit vous-même, ce sont des populations qui vivent avec et de la forêt. Et donc, on peut faire de beaux discours, mais les gens ont besoin d'emplois, ont besoin de revenus, ont besoin de quoi se nourrir. Et depuis des centaines d'années, ces populations vivent dans la forêt, de la forêt et avec la forêt. Et lorsqu'on veut mettre en place des concepts de préservation, il faut faire participer ces populations à ces concepts pour que le revenu, la nourriture, l'énergie soient sécurisés. Alors, il faut investir sur place. On a parlé hier des chaînes de valeur sur place. Ce sont des pays qui ne sont pas seulement riches en bois, mais en minerais et d'autres ressources. Je pense au Congo. Pas de portable marcherait en Allemagne sans vous. J'ai visité le salon international de l'automobile lundi. Aucune voiture européenne pourrait être produite sans vos ressources précieuses. Et c'est vrai, donc, pour cela, il faut vous payer un prix équitable. Donc, cette exploitation humaine et naturelle doit être enrayée par des accords équitables du commerce international. Et la création de valeur doit se faire sur place dans vos pays. Je l'ai déjà dit hier. Je ne sais pas si je peux dire fière, mais donc, il faut passer de la parole à l'acte. Et je suis quand même fière de pouvoir dire que
d'après discussion de 6 ans, nous avons adopté une législation sur les chaînes d'approvisionnement, législation qui sera également proposée au niveau européen. J'en ai discuté avec la directrice générale de l'OMC. Il faut donc qu'il y ait un commerce équitable qui associe vos pays plus à la création de valeur. Et à ce moment-là, on pourra discuter de l'arrêt de la déforestation, car à ce moment-là, les emplois et les revenus seront garantis. Donc, nous savons le rôle que jouent les forêts pour le climat. Donc, nous avons besoin d'un accord planétaire pour les forêts, le nouveau deal. Quand on parle de deal, cela me fait penser à l'ancien président américain, mais il faut donc un accord international pour les forêts, un accord de la communauté internationale. Qu'est-ce que cela signifie? Cela a été présenté et il y aura une documentation a posteriori, documentation qui pourra être utilisée dans les discussions à venir. Un meilleur financement, plus de ressources financières pour la protection des forêts tropicales, de nouvelles incitations, il faut que ça soit rentable, et la responsabilisation. Vous, mesdames et messieurs les ministres, vous êtes des symboles de la responsabilisation. Donc, il faut comprendre sur place qu'il s'agit de nous-mêmes, qu'il s'agit de notre propre avenir. C'est à cette seule condition que l'on saura réussir. Ce n'est pas nous qui pourrons réaliser ces succès, c'est vous, les décideurs sur place. Et pour cela, il faut des règles claires. Règles claires pour le commerce international et la consommation. Alors, il faut investir plus. À Glasgow, les financements nécessaires doivent être mobilisés, et pas seulement par le secteur public. Cette promesse, cet engagement des 100 milliards de dollars n'a pas été tenu par la communauté internationale. À écouter les médias, les journalistes, moi, j'ai accompagné la chancelière à la conférence des Nations Unies qui a justement discuté de ces questions. L'Allemagne a tenu son engagement. L'Allemagne va accroître ses ressources financières et on créera davantage d'incitations. Je crois que c'est vrai aussi pour le prochain gouvernement fédéral. Depuis 2015, mon ministère, peut-être ce n'est pas suffisant, mais nous avons fixé des priorités et mon ministère a dépensé 2 milliards d'euros pour la protection des forêts ventilées par différents projets. Prenez les 27 pays de l'Union européenne. Donc, si à Bruxelles, c'était aussi une priorité, ce pacte vert pour l'Union européenne. Donc, si un jour à Bruxelles, on comprenait que le climat international ne peut pas être sauvé par l'Europe seule, mais qu'il faut un pilier africain et un pilier forêt pour la préservation internationale des forêts. C'est cela l'objet de nos travaux. La conservation doit être rentable. Je pense au Gabon, à l'Équateur, à l'Indonésie. Nous avons une excellente coopération avec ces pays, comme avec d'autres. Alors, le commerce et les investissements doivent être organisés pour conserver les forêts et l'Union européenne doit montrer l'ensemble. Ce matin, j'ai discuté avec mon homologue ministre de l'Agriculture qui me soutient, mais maintenant, il faut que ça soit concret. Actuellement, nous importons nous avons de la déforestation importée en Allemagne et en Europe. Donc, le matin, on se lève, prend un shampoing avec l'huile de palme ou pour un produit pour lequel les forêts ont été détruites. Même chose pour la culture du soja au Brésil, en Amazonie, ce soja est importé pour
nous permettre de manger de la viande. C'est donc un cercle vicieux qu'il faut rompre. Notre prospérité ne peut pas être réalisée sur la base des incendies, des forêts tropicales qui brûlent. Et nous avons le projet d'une législation européenne sur les chaînes d'approvisionnement zéro déforestation. La Commission de Bruxelles a annoncé une proposition de législation pour cette année. Et pour vous, c'est important, vous êtes au début de la chaîne. Donc, il faut y travailler ensemble. Comment organiser la culture de l'huile de palme? Comment organiser la culture du soja? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les paysans au Brésil? C'est toujours une question qu'il faut discuter sur place avec les agriculteurs et avec les communautés. Mais les chaînes d'approvisionnement zéro déforestation sont essentielles. Il ne faut pas que les forêts tropicales brûlent pour les produits qui sont consommés par nous. 11% des émissions CO2 de la planète s'expliquent par les incendies en forêt tropicale. 11%. Les émissions et la part de l'Allemagne des émissions est de 2%. Donc, la part de l'Allemagne par 5 qui résulte des forêts qui brûlent. Alors, donc, il faut un prix équitable pour la protection des forêts. Il faut en négocier avec l'OMC dans le cadre d'un système commercial international. Il faut agir maintenant en amont de la COP climatique de Glasgow, car là, il faut une proposition claire sur des nouveaux concepts financiers. Donc, il faut un plus fort engagement des pays industrialisés, plus fort que par le passé. Merci pour le soutien aujourd'hui, le soutien au cours des dernières décennies. Je remercie nos amis européens, la France, la Grande-Bretagne. Merci aussi à la Norvège et aux États-Unis. La Norvège hésite, malheureusement, si vous me permettez de le dire. Nous, on voudrait bien, Monsieur l'ambassadeur, utiliser le fonds de l'Amazonas pour protéger les forêts tropicales. Nous allons continuer à investir indépendamment des gouvernements qui sont en place. Ça ne sert à rien d'arrêter ces fonds. Ça ne sert ni à la forêt, ni à la population autochtone, ni au climat. Donc, il faut être proche des populations sur place. Il faut que ce soit des programmes de proximité. Je voudrais également parler du programme Early Mover, un programme pour lequel on s'engage beaucoup avec nos partenaires européens. Et je voudrais également souligner la coopération avec la Chine. Vous savez à quel point c'est important pour les entreprises chinoises d'être présents dans vos pays. Et nous avons entamé des entretiens, des discussions avec nos partenaires chinois, avec le gouvernement chinois, pour protéger vos forêts tropicales. Et moi-même et mon ministère, on coopère avec la Chine et des partenaires africains sur une initiative commune en faveur de la gestion durable et d'un commerce légal du bois, donc un commerce certifié du bois. Ce sera important d'avancer avec la Chine. Ça serait un énorme pas en avant. Donc, si tout le monde était d'accord, ça faciliterait la situation. Donc, nous avons besoin de la Chine, car la Chine a la demande la plus importante de bois au niveau international. Nous vous aidons, vous nous aidez. Hier,
J'ai parlé avec les membres du partenariat des forêts du bassin du Congo et donc nous avons pris un accord. Je vous en remercie. Je sais, c'est important d'avoir cet échange. C'est merveilleux. 10 pays ont discuté entre eux sur différentes approches, sur différents points de vue, et puis en fin de compte, on réussit à élaborer un accord. C'est un engagement qui mérite d'être soutenu. Et donc, l'Allemagne promet 125 millions d'euros supplémentaires pour l'initiative des forêts en Afrique centrale, l'initiative CAFI, pour soutenir davantage ce partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Je ne veux pas seulement... Je veux toujours avoir des résultats concrets. C'est important pour moi. Et donc, nous continuons de travailler dans l'initiative qui concerne l'Amazonie. Et M. Christian Roque a également proposé que nous coopérions dans le Legacy Landscape Fund. Donc, ces forêts tropicales devraient devenir aussi des aires protégées. Ce fonds permettrait de proposer donc des financements de long terme pour des aires protégées internationales. Et donc ceci ne dépendrait pas des gouvernements qui sont élus, mais plutôt il s'agirait d'un processus qui va continuer Donc, il s'agit d'une nouvelle approche avec les fonds financiers publics. Et donc, ceci doit aller donc dans le sens de la création de valeur sur place et également dans le sens d'investissements privés. Donc, il a gagné 60 milliards de plus. Qu'est-ce qu'il fait de son argent? Amazon, Elon Musk, plus 60, 80, 100 milliards de dollars de plus. Amazon, c'est une entreprise que je cite, sur les 60 milliards que gagne Jeff Bezos, si seulement il investissait 20 milliards chez vous, il serait loué de tous les parts. Et je parle de sciemment de Amazon, car la réorganisation de nos systèmes commerciaux par la vente en ligne crée cause énormément de gaz à effet de serre, de CO2. Donc Amazon et les autres géants devraient assumer leurs responsabilités et investir dans vos forêts tropicales. Mesdames et messieurs, je crois que les milliardaires de ce monde qui profitent tellement de la mondialisation, les 10 personnes les plus riches du monde, ce sont des hommes, peut-être la, non pas la veuve, mais la femme qui a divorcé de Jeff Bezos, sinon ce sont donc 9 hommes au monde qui disposent d'un patrimoine que n'a pas la moitié des plus pauvres. C'est inimaginable. Mais ce sont des personnalités, donc il faut les gagner, car à ce moment-là, il y a une chance qu'elles s'engagent.
Il faut les convaincre. Bill Gates est un des grands philanthropes de ce monde qui est venu chez nous, qui s'engage pour la santé, qui s'engage pour la lutte contre le COVID. Donc, nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. Le symposium d'aujourd'hui nous a tous donné de la force, un sentiment d'appartenance à ce monde. Donc, je tiens à vous remercier, vous tous, les intervenants, les ministres, mesdames et messieurs les ministres, merci d'être venus en Allemagne. Merci d'être venu à Berlin. Encore une fois, je remercie Christian Roch. Je remercie également les amis européens que j'apprécie beaucoup, la Norvège, le Royaume-Uni, la France, puis les États-Unis. Merci d'être venu, de vous engager à nos côtés. Je remercie également les collaborateurs et collaboratrices de mon ministère qui ont énormément travaillé au cours des derniers mois pour réaliser cette conférence malgré le COVID. Et ça me fait très plaisir après 18 mois d'avoir une première grande conférence en présentiel. Bien sûr, c'est possible en visioconférence et en virtuel, mais l'effet est moindre. Donc, merci beaucoup pour cela. Merci au ministre fédéral de la coopération économique et du développement, monsieur le docteur Gerd Müller. Nous sommes arrivés à la fin de notre live stream de 3 heures consacré aux forêts tropicales. Merci de votre participation. Merci de votre engagement. Nous allons tous ensemble continuer à préserver les forêts tropicales. Nous allons nous revoir à la COP. Restez en bonne santé. Merci d'avoir été avec nous et merci de vos questions.